nul lui. Lui, pff, oh là là, il est vraiment éclaté au sol. Regarde, regarde, regarde ce skill. Hop là, juste avant que ça arrive. Non, mais pourquoi? Maybe come back. Won't you be come back? Ouais, il me la met. Il est au courant. Même moi, parfois, quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de me faire l'amour. Nice! C'est vrai, c'est Michael Jackson. Et a bit of genius, not my love. Il arrive sur moi, il arrive sur moi, il me tue. Non, il s'est TP. Il s'appelle vraiment Michael Jackson. Ah ouais. J'ai fait le test pour le Covid aujourd'hui, sensation la plus désagréable que j'ai jamais vécue. Alors tu n'as peut-être pas essayé la sodomie. Si tu veux pas finir à la carte. Opie a donné 1€. Merci mec, pour m'acheter rien du coup. Le plaisir d'une bonne grosse banane. Une bonne grosse bien mûre, ouais. Bien mûre. Moi je me débrouille comme je peux. Ça fait maintenant 2 ans hein, que je joue à Among Us et que pourtant j'ai jamais été imposteur. Faire une voiture à des pneus. Évitons donc de se faire écraser. Il est... Vigile, vigile! Il est dans le couloir avec un tapis rouge qui donne sur la cuisine à côté du Babylone. Mais si, tu sais, celui qui est entre la cuisine et Babylone et qui ressemble un petit peu au main, mais de l'autre côté de la map, là où ton pote c'est Dark 6 PS4, il avait fait un kill au doigt avec une putain de WhatsApp et mes caméras, même si c'était le seul et unique frag qu'il avait fait pendant toute la partie, cet énorme fils de. Jamais été imposteur, hein. Je pense que je me fais victimiser par le jeu, hein, tout simplement. On est les animaniacs. On a les contacts. Faut que tu fasses le tour. Non, faut que tu me laisses sortir. Oh, il a... Non, il a vraiment claqué. Non. Oh, tu m'as troll, 6-4. Allez, relax, on a les bananas. On est les animaniacs. Joue pas trop avec moi, mec. La grosse coccinelle, hein? On la gratouille? Oui, 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 allez, ferme ta gueule. Ah, bon couteau. C'est 6-4. Petit cul. Grand S. Ouais, non. Quand je vais les prendre, je pense que je vais en payer. Oh! Double citadelle! Jouer. Il a pris 19k le Zlatana. Ça m'énerve ça sérieusement, les gens qui écorchent mon pseudo. Un petit cul. Oui petit cul. Oui petit cul. Dans la vraie vie, dans le pseudo. Attention, ici c'est l'école de la vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Thank you.
Bonjour le campus de la Salty Academy, comment ça va tout le monde? Vous avez passé une bonne et une agréable journée, tout va bien pour vous? Hein? Ça va ou quoi? C'est quoi ce truc par terre là? Non mais voilà, mais j'étais pas là hier, c'était le bordel. C'est dégueulasse. Hein, ça va tout le monde? Vous avez passé une bonne journée? Hein, vous avez passé un bon, j'allais dire un bon week-end, non, mais il y a que moi en fait qui ai pris une journée hier. Allez rentrer parce qu'on est, je suis en retard et en plus je peux pas rester jusqu'à, enfin voilà quoi. Je suis pressé, rentre. Bon alors, comment ça va tout le monde sur ce campus? Bien ou bien? Vous avez passé une bonne et une agréable journée. Bonjour mon cher Poimu. Bonjour. Ouais, faut enlever le truc du night, faut enlever le l'icône, l'emote, Block Laser. Ouais, c'est moi qui le rajoute à chaque fois, mais à chaque fois je sais que ça fait de la merde de rajouter une emote, ou je sais pas, c'est parce que ça passe par Discord ou pas, mais faut enlever l'emote dans ce cas-là, quoi. Bien, hello Six, merci Zepsi, comment ça va? Salut Bizou, comment ça va? Salut Kiwishk, comment ça va? Merci Yunim, Live de 6-4 en train de chiller sur The Hunter Call of the Wild, best début de weekend ever. Oh yeah, ok, ça me fait plaisir d'entendre ça, dites donc, vous savez me parler. Regardez. Ouais. Ouais, je sais, j'ai bronzé un petit peu. Non, mais hier, du coup, ça a fait beaucoup de bien. Merci Boxy pour les 5 points de frais de scolarité. Merci Lex Luthor pour les 9 points de frais de scolarité. Merci Hawk pour les 2 points de frais de scolarité. Merci JJ94, nouvel étudiant du campus. Nico Ptibeur, 16 points de frais de scolarité. Lucas, nouvel étudiant. Merci les amis, vous êtes des monstres. D'ailleurs, profitez-en. Pas pour les bits. Merci UR Games pour les 240. Merci Poulet pour les 245 bits. C'était un monstre, Poulet, vraiment. Merci beaucoup. Profitez-en. Parce que c'est le September, ok? Donc on va le rappeler, quoi. Ouais, mais ouais, déjà que Twitch nous a fait un, un sub 2020, là. Un sub 2020 Ember, hein, voilà, en baissant tout à 3,99. Et en plus, là, c'est 20% en moins. Donc profitez-en, hein, ça va pas durer. Hein, voilà, donc tout le mois de septembre, les droits de scolarité, frais d'inscolarité au sein du campus de la Salty Academy moins cher, c'est 20% moins cher je crois, un truc comme ça, il me semble c'est 20% moins cher, donc profitez-en, et même les droits de scolarité qui sont offerts, ok, donc si vous faites voilà quoi, donc vous pouvez faire votre bonne action de la journée sur le campus de la Salty Academy pour moins cher, si ça c'est pas beau voilà quoi, hein, donc voilà, donc aujourd'hui alors oui, c'est moi où le dessous de sa barbe est blanche un peu. Et alors, ça t'emmerde? Ça s'appelle le sex appeal, ok? Ah non, mais ça c'est vrai, ça c'est beau gosse, poivre et sel, hein? Normal. Poivre et sel, c'est normal. Plus ça va aller, plus il y aura de blanc. Parce qu'en fait, le blanc c'est le sel, et on est sur le campus de quoi? De la Salty Academy. Donc du coup, plus il y a de blanc... Il a pas compris. Si, il a compris. Merci infiniment à Leios d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité ou devenir étudiant au campus de la Salty Academy. Ainsi va pour WS Loan FA, pour B2OKSS, pour Shadow FR8, pour Lyon69 Latrick. Il va falloir changer ce pseudo. Merci pour Neostars aussi qui se font tous payer leurs droits de scolarité et leurs frais d'inscription. Point d'exclamation September. Faites péter. Merci infiniment à Lapolis67. 15 mois de frais de scolarité également. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Leios, le monstre. Merci beaucoup. Merci Driptic. 6 mois de frais de scolarité. Merci Rare Games qui offre la possibilité directement de payer. Enfin, qui offre à 10 personnes leurs droits de scolarité et frais d'inscription en campus de cette Salty Academy. Ah, voilà. Donc pour G-Marie, pour Capone, pour Cole Kebab, pour Tom, pour Xeros, pour Mademoiselle Soha, pour Quantique, pour The Iron, pour El Rociador, pour SB Rainy's Baby, je sais pas, qui se font tous payer leurs droits de scolarité ou leurs frais d'inscription au campus. Et ça c'est grâce à la grande générosité de Rare Games. C'est pas la première fois qu'il régale tout le monde. Envoyez plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît pour lui. Ça me ferait extrêmement un plaisir. Merci aussi à Guy Kozo pour les 5 points de frais de scolarité. Merci à Karim, nouvel étudiant du campus. Bienvenue sur le campus de cette Salty Academy.
Vous êtes des monstres. OMG, je suis sub 64, trop content. Tu n'es pas sub ici, ok? Sur toutes les plateformes du Twitch Game, t'es sub, ok? Mais ici, t'es un étudiant, ok? C'est quelque chose, c'est au-dessus, ok? Voilà, c'est tout. Non, mais c'est important de le rappeler. Vous êtes des étudiants ici, ok? Hein, voilà. Bon, ça va sinon? Ça va bien, hein? Tout va bien pour vous dans les chaumières. Ok, et train de la hype numéro 4, il vous reste très peu de temps pour le faire péter, hein. C'est, voilà, quoi. C'est niveau 5 max, je crois, hein. Donc voilà, quoi. Gueule de bois, lol. Ouais, non, mais Poimu, tu dois être le genre de personne qui a des gueules de bois en buvant du Coca-Zéro, quoi. Donc, please. Merci infiniment, Overa Gamer, d'avoir offert la possibilité à Unai 06, 05, 20, 09. Non, c'est pas bon. Je croyais que je regardais si c'était un numéro de téléphone. J'aurais appelé du coup. Merci infiniment, Exveron, d'avoir offert la possibilité à Sandwich Auton et à Yoshi leur droit de scolarité au sein du campus. Vous êtes des monstres. Et ben voilà. Ah non, si ça, c'est pas une façon formidable de commencer un live et d'ouvrir les portes du campus de cette Solty Academy, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est quand même merveilleux. Hein. Bam, directement, train de la hype, niveau 4 terminé, emballé, c'est pesé. On n'en parle plus. Ah si, il y a un niveau 5. Non, vous n'êtes pas obligé. Ah, j'avais oublié. Merci beaucoup, vraiment. Vous êtes des monstres. Ok. Du coup, il y a trop de trucs en ce moment. Je suis désolé. Aïe. Merci vivement Castellet d'avoir offert la possibilité à 5 personnes aussi de payer leur droit de scolarité et même de devenir des nouveaux étudiants en campus. Ainsi pour Melik, pour Ilestrio, pour Dioptazi. Yes, pour... Sorry. T'inquiète, Gigozo, t'es un monstre, t'inquiète. Tu payes tes droits de scolarité, t'arrives, tu sais t'excuser. Ça, c'est beau. Merci, Poulet. Re-bienvenue. Merci pour Sicide et Bob Rastaz qui se font tous payer leurs droits. Ou frais d'inscription même. Castellet. Plein de GG, plein de cœur pour Ware Games, pour Exveron, pour Leios, pour Ware Games. Les monstres, ils régalent. Merci beaucoup. Merci au Vera Gamer pour Dr. Drake. Backdraft, 16 mois déjà de frais de scolarité payés au sein du campus de la Solty Academy. Le monstre. Bon, je vais aller rejoindre Mary parce qu'en plus, il faut que je cut un peu plus tôt ce soir. Genre vers 19h, un truc comme ça. Donc voilà quoi. Il y aura un live sûrement demain aussi. Dimanche, je crois pas. Mais en ce moment, il y a trop de trucs. Je suis désolé. Je me suis réveillé comme une merde vers 11h. Ça arrive rarement. Mais là, pour le coup, j'en avais vraiment besoin. Ouais, hier, tranquille. Hein. Ouais, petit thalasso. Enfin, petit thalasso, machin. Un petit sauna, petit hammam. Petit massage californien. Oh, je me suis fait plaisir. Pour une fois, j'ai déconnecté, quoi. Hein, la dernière fois que j'ai fait ça, je pense que c'était en février de l'année dernière. Hein, j'en avais besoin. Donc, ça fait du bien. Ça fait grave du bien de déconnecter. Je suis arrivé là-bas. J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé mon téléphone. J'ai fait mode avion. Ok, voilà. J'en avais vraiment besoin. Faites-le, c'est important. De temps en temps. Hein, voilà, surtout le téléphone. Merci, Jokes. Les gens peuvent attendre. Merci Jokes d'avoir offert la possibilité à Marshall de payer, Marshall Payne même, de payer depuis 7 mois ses droits. Merci Over a Gamer pour K et I. Merci, vous êtes des monstres, vraiment. Beaucoup, merci beaucoup. Des monstres. Des monstres, ces étudiants. Mais c'est le meilleur. Aïe, 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 95%. Là, en revanche, je suis obligé de vous dire let's go. Merci Over a Gamer pour Exveron. T'as la vache. Exveron qui a payé des droits de scolarité pour d'autres personnes, mais même pas pour lui-même. Mais Over a Gamer derrière qui lui offre ses droits de scolarité. Si ça, c'est pas magnifique, le monstre. Merci beaucoup, vraiment, ça me touche énormément. Vraiment. Ok. Ouais, donc déconnexion. Et aujourd'hui, bah, voilà quoi. À 11h, à 13h, j'étais en train de faire une réunion en caleçon, quoi. Voilà, j'avais même pas le temps de m'habiller. Non, là, je suis habillé. Hein. Mais j'avais même pas le temps de m'habiller. J'avais une réunion. On a trop de projets en ce moment. Ah, ça part dans tous les sens. Et forcément, on s'est tripoté la nouille pendant un an. Oh là 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 là. Envoyez plein de GG, s'il vous plaît, pour avoir un gamer. J'ai même pas le temps de parler. Qui offre la possibilité à Draksh. À Draza, à Love Beaver, à Romek, à Desoc et à Boogies, leur droit de scolarité ou frais d'inscription au campus. Plein de GG, plein de cœur, des monstres. Merci beaucoup, Vara Gamer. Merci beaucoup hein, de faire en sorte que le campus de la Solty Academy survive en fait, hein, qu'on meure pas tous quoi. Et même high to the fucking top grâce à Bizou qui offre la possibilité à Milka, à 20 personnes, dont Milka, Gitsoki, Lac23, Maxos, McDo, Al, Mr. Ron, Tivano, Dark, Quentin, Nano, Sabri, Rafoufoun, Loul,
Chacal, Mr. Drejewski, Nazavation, Drive Soul, Ross, Howard Woodfree et Jeff Viper. Ils sont tous payés leur droit de scolarité aux frais d'inscription grâce à l'énorme générosité de Baizou Bizou. Merci infiniment, poulet. À Monstre, le boss. Envoyez des cœurs, des GG, spammez-le, remerciez-le. Merci, vraiment, vous êtes des putains de monstres. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, j'insiste. Ok. Pas de vidéo qui sort aujourd'hui, alors que normalement, c'est 3 par semaine. Mais je suis à la bourre. Merci OvaraGamer pour Sad Maroc. Merci à toi. Enfin, vous êtes des monstres. Des cœurs pour OvaraGamer, Baizou, pour tous les gens qui vont faire des droits de scolarité à d'autres, là. Vraiment des monstres. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Genre vraiment. Genre vraiment. Genre vraiment. Ok. Je voulais dire quoi? Ouais, non, il y a trop de trucs. Youngtis, le recrutement du manager, c'est fait. Il est en test. Ils sont en train de travailler là-dessus. Faut que je regarde les strats. Donc, faut que j'aide sur la partie coaching, sur la partie événementielle. Il y a trop de trucs à prévoir. Trop de trucs à prévoir. En plus, ça arrive pile au mauvais moment, au bon moment, en fait. Au final, c'est pas plus mal. Ça va nous occuper un peu, surtout pour l'hiver. Mais Battlefield arrive. Voilà, on le sait à peu près tous, Battlefield va arriver aux alentours du 15 octobre. Donc on peut très clairement s'attendre à quelque chose mi-septembre ou fin septembre. Il y aura très clairement Battlefield, une version fermée ou open, très probablement, de la bêta, c'est obligé. Et puis s'il y a une open bêta, de toute façon, ils sont obligés de travailler dessus. Ça sert à rien de faire une open bêta et de lancer le lendemain. Donc, partant du postulat que ils vont lancer le jeu le 15. Le 22, mais au final, en early, le 15. Sachant qu'ils partent du jeu le 15, ok? Sachant qu'il va leur falloir au moins une semaine ou deux semaines pour corriger des choses qu'ils auraient vues et des erreurs qu'ils auraient vues pendant le stress test de la bêta. Il faut qu'ils donnent un delta, tu vois? Voilà. Donc, à mon avis, fin septembre, grand max, il y a du Battlefield. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr et certain. C'est obligé. Donc, ça va aller vite, en fait. Ça va aller vite. Cette petite mode du train est dégueulasse. C'est laquelle? C'est le clébard, là? C'est dégueulasse, ce truc. Le hype train, là, c'est une espèce de chien. Ah, c'est vraiment les chiens de grand-mère, là. Ceux qui ont du rouge sous les yeux et tout. Ah non, j'aime pas ces chiens-là, là. Le même que dans Brooklyn Nine-Nine, là. Une espèce de saucisson, là. Il est dégueulasse, ce chien, quoi. Non, mais sérieusement, t'as envie de jouer au foot avec. Il n'y a pas d'association de protection des animaux. Non, ne clippez pas, ne clippez pas. Je vais avoir des problèmes. Hein? Ouais, non, mais si, ouais, celui-là, ouais. Exactement celui-là, ouais. Ah, mon Dieu. Un corgi. Oh, mais c'est dégueulasse, ces chiens, quoi. Non, mais franchement, je vais me mettre à dos plein de gens. Hein. Mais les corgis, là, j'en veux plus, ok? Les boxers, là. Non, pas les boxers, c'est magnifique. Mais les bulldogs français, les bulldogs anglais, arrêtez. Arrêtez. Déjà, allez dans des associations, hein, arrêtez avec l'élevage canin. Hein, et récupérer un animal qui attend de l'amour. Ok, ça sert à rien. Voilà. Ok. Et les bulldogs, là, les trucs, là. Mais sérieusement. Déjà, ça a plein de problèmes de maladie. Ces chiens, tu vois, c'est malade tout le temps. Ça pue, ça pue en plus. Hein, ça pète, c'est dégueulasse. Ça sert à rien. Ça respire, ça fait du bruit. Ça ronfle, ça fait du bruit. Ça pète, ça fait du bruit. Ça fait du bruit tout le temps. C'est une espèce de. Non mais sérieusement, c'est une usine à merde quoi le truc, ça sert à rien du tout. Vous voulez un chien, prenez un vrai chien, tu vois. Un petit braque de Weimar, un petit setter irlandais, voilà, tu vois. Un petit, un gros quoi, un gros chien quoi. Hein. Les chats sans poils c'est horrible, non mais les chats tout simplement. Moi je suis allergique de toute façon, donc faites paillage quoi. Perso j'ai acheté un boxer, il fait 51 kg, quand il pète il pue aussi. Bon, en même temps t'as vu ce qu'on leur donne à bouffer au lien, c'est normal, hein. Voilà quoi. Un labrador. Mais non, mais c'est trop. Mais non, un labrador, c'est trop mainstream, sérieusement, quoi. Et un labrador, ça a des problèmes d'arthrose à un moment, quoi. Tu vois ? C'est comme un berger allemand, ça a des problèmes de bassin à un moment, quoi. Non, mais il faut y penser. Il y a des races de chiens comme ça, ils ont des problèmes, quoi. Berger allemand, je te jure, passé un certain âge, après, ils dandinent du cul, voilà, quoi. Un border collier. La scie, là ? Non, mais c'est dégueulasse, ça. Le truc avec les... Le truc... La princesse, là, non, un petit bichon frisé, mais non, un berger ou rien, non, un berger, non, à la limite, prendre un berger belge, à la limite, ouais, un petit malinois, ouais. ça peut être sympa, hein. Berger australien, putain, je sais pas à quoi ça ressemble, un staff, c'est joli, un staff, un malinois, pardon pour les mages, ouais, un petit malinois, ouais, un husky, ouais, un husky, mais bon, après, je vais faire des ennemis si je dis ça, mais pas en appart, quoi,
Voilà. Merci infiniment, Baizou, d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de devenir des étudiants au campus. Ainsi pour Incognito, pour Slatcher, pour Donald Frontrailroy, pour Le Fauteuil de Qualité, pour I'm French by the way, pour Plouk, pour Babav, pour François Lays, pour Dawid et pour MR6 qui sont tous payés leurs droits. Ouvrez l'inscription une fois de plus par rapport, grâce à Bizou, le monstre qui vient d'offrir 30 droits de scolarité. Just like that. Merci infiniment, Bizou. Merci Baizou, t'es un monstre. Merci Plinson aussi pour... les 6 mois de frais scolarité, envoyez plein de GG, plein de cœur pour Ovara Gamer, pour Baizu et tous les autres. Des monstres. Des putains de monstres. Un dog tibétain. Mais oui, mais quitte à avoir un chien, autant que ce soit un vrai chien, quoi, tu vois. Ouais, moi, je... Non, non, mais autrement, tu prends un loulou de Poméranie ou, tu vois, un chihuahua, quoi. Autant prendre un lapin, quoi, tu vois, ou un hamster. Non, mais sérieux. Tu vois ou pas? Si ça rentre dans un sac... déjà, il y a un problème. Ou alors un petit chien de chasse. Genre un teckel à poil dur. Ça, c'est beau, ça. Ah, si, ça, c'est beau. Hein, berger australien, c'est magnifique, regarde. Vas-y, attends, berger australien, ça m'intéresse. Berger australien. Berger... Mais ils ont des moutons en Australie. Ah ouais, je vois, ouais. Ouais, j'ai déjà vu. Hein. Ah, c'est joli, ouais. Ah, c'est joli. Ah, c'est joli, putain, la vache. Berger australien, un chien coloré. C'est un peu truité. Ouais, c'est joli, putain. On a l'impression qu'il a des problèmes de couleur, quand même. Ça part un peu en couille, quand même. Avec... Ah ouais, ils ont des yeux de... Ils ont pas les yeux de la même couleur, c'est ça? Ouais, bon... Non, franchement... Un setter irlandais, un braque. Un braque allemand, un braque de Weimar, un braque français. Ça, c'est beau, ça. Oh, c'est mignon, en plus, comme tout, quoi. Hein? Oh, un border. Border... si je tape border, mon gars, je pense que je vais tomber sur une certaine map qu'on connaît. Border collier. Ah, mais border collier, je suis con. Oui, le chien de... L'un des chiens les plus intelligents au monde, là. C'est des chiens de troupeau. Ouais, je vois bien. Hyper intelligent, ça. Alors, pour l'élevage, pas pour l'élevage, pour le dressage. Hein, c'est... Ils sont hyper smart. Hyper smart. Un bouvier bernois. Ah, bah, franchement, ça ressemble un peu le bouvier bernois et le berger allemand, non? Bouvier bernois. Ouais, ça ressemble un peu quand même, hein. Franchement, ça ressemble un peu. Ça ressemble grave, même. Le bouvier bernois, en fait, tu prends un bouvier bernois, tu passes les poils à l'eau de Javel, et c'est bon, t'as un berger allemand, quoi. En fait, c'est un, ouais... Un berger... Non, pas un berger allemand, pardon, un berger australien. Un berger australien, c'est un peu un bouvier bernois décoloré, quoi, en fait. Si, c'est un peu ça. Le plus intelligent, c'est Golden Retriever et berger allemand, non? Ouais, mais je t'ai dit, berger allemand, ça sert à rien. Il dandine du cul, mon gars. Après, t'as plein de problèmes, quoi. Tu veux un berger allemand? Ouais, d'accord, ok, tu vas voir, quand il est jeune, ça va, mais après, voilà, quoi. Un Shiba Inu. Non, mais Shiba Inu, c'est pas le truc quand t'es... J'ai l'impression... Attends, Shiba Inu. J'ai l'impression, maintenant... Ouais, non, mais Shiba Inu, mais tout le monde a ça. Non, mais Shiba Inu, c'est le truc... T'as un compte Instagram? Ouais. Il a plus de 10 000 abonnés? Ouais. Prends un Shiba Inu. Non, mais c'est bon. Non, désolé. Non, 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 un Canet Corso. Voilà, ça, c'est des vrais... Tu vois, ça c'est des vrais trucs. On est d'accord ou quoi? Hein? Faut pas un truc qui a besoin de 3 heures de marche par jour. Bah après, bah, faut pas l'avoir en appart, quoi, c'est sûr. Hein? Bonjour à tous, je viens de faire un VR Games pour le sub. Merci, Colgega. Merci, poulet. Un petit épagnol. Oh, petit épagnol breton, là. Oh, c'est mignon comme tout, ça. Braco hongrois. Un braque hongrois? Non, mais je le vois. De toute façon, les braques sont tous les mêmes. C'est juste la couleur qui va changer. Le braque de Weimar est légèrement gris. Le braque hongrois. Il est pas marron très clair, un peu caramel. Le braque allemand, il peut être marron ou truité, noir et blanc. Voilà quoi. Moi, j'ai eu que des braques. Enfin, il y a eu que des braques dans ma famille, quoi. Braque hongrois. Ah là 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 là. Ils sont magnifiques, ces chiens. Ils sont magnifiques, quoi. Regarde-moi cette... Ouais, il est légèrement caramel, quoi. Oh là là. Ça, ça aime les enfants. C'est trop machin. C'est un putain de chien de chasse. Oh là là, ça me donne envie de chialer de les regarder, quoi. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est un vrai chien, tu vois. Ça, c'est un vrai chien. Oui. Braque hongrois. Un braquemar? Ça m'a jamais entendu parler de ce truc. Hein? Non, mais on est d'accord ou quoi? Un berger australien? Oh, non, mais Krusty. Krusty, community manager de la Salty Academy, le mec. Ça fait déjà 10 minutes qu'on vient d'aller regarder les vidéos de berger australien et il se réveille. Oh putain, la vache. Toujours à la rabasse, en fait. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais, un berger. J'ai gagné une Pro League. Tu veux tweeter ou pas, Krusty? Un community manager, le mec. Un vrai chien, un Saint-Bernard.
Ouais, mais un Saint-Bernard, après, ça te coûte combien en bouffe? Tu vois ce que je veux dire? Sérieusement, c'est comme les canets corso, quoi. Sérieusement, tu leur donnes 10 kilos par jour ou quoi? Ça doit bouffer, ces trucs. Voilà, quoi. Allez, je te tweete ça. Hein? Un berger belge. Ouais, un malinois. Ah, c'est beau, ça. Moi, j'aime bien. Après, c'est pareil, tout le monde en a, les malinois, quoi. Enfin, tu le vois, quoi. T'es un malinois? Ouais, tu fais quoi dans la vie? T'es agent de sécu? Ouais, d'accord. Non, c'est vrai, c'est souvent ça. Soit ils font du chien, donc ils font du parcours. Donc malinois, souvent ils ont. Ou alors c'est des agents de sécu. Quoi. Non, c'est vrai, c'est un peu... voilà quoi. Un vrai chien, mon meilleur ami qui est sorti avec mon ex. Hein. C'est pas mal. Technique. Même masterclass, quand même. On la valide. Ah, et c'est le seul chien qui n'a pas de race. Ok. Une minute de silence. Aïe, aïe, aïe. Validé. C'est bon. Je suis gendarme, c'est pour ça. Non, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Gendarmerie, malinois. Agent de sécu à Leclerc, malinois. Il fait du chien, parcours d'obstacles, malinois. Voilà quoi. Et les mecs qui font. Et les chiens qui sont. Les plus mauvais qui sont. Non mais sérieux en plus. Je vais me faire engueuler. Il y en a, ils vont m'insulter en disant ça quoi. Mais les moins bons des parcours d'obstacles, souvent partent dans la gendarmerie quoi. Ouais, non mais sérieux. Les yinches du GIGN ou les trucs comme ça. Malinois par exemple. Voilà quoi. Mais en gendarmerie, il n'y a que du malinois de toute façon. Ils ont que ça quoi. Un Kangal du Sivas. Vas-y, franchement, c'est quoi ça? Mais un Kangal du Sivas. Franchement, je ferai un tweet un jour quand j'aurai quand j'aurai envie d'avoir un chien, mon propre chien. Oh non! Et les chiens, ils bavent, tu vois. Ça, c'est chiant, tu vois. Non mais sérieux, tu vois, les chiens qui sont là, ils te regardent avec un gros truc, avec un gros filet de bave qui dégouline sur le côté, là. Et là, ouais, t'es content, ouais, moi aussi, mais bon. Ouais, voilà, quoi. Merci, Psyche, pour les 1 an, t'es un monstre, poulet. Joyeux anniversaire de frais de scolarité. Hein. Un braque cassé. Elle est trop, trop drôle. Attends, bouge pas. Clic droit. Ouais, prends un ban, quand même. Ouais, non, franchement, elle était à chier. Elle était à chier pour ça. Tu prends 111 secondes de ban. Hein. Tu reviendras tout à l'heure. Tu vas prendre l'air. Tu nous ressortiras une blague tout à l'heure parce que celle-là était vraiment nulle à chier. Un collet, c'est beau, mais niveau poil, hein, c'est chaud. Oui, surtout pour lui. Ouais, ouais, mais non, encore le collet, là. Non, non, non. Ouais, là, si, quoi. Là, si. Non, non, non. Ah, je sais pas. Non, mais il faut ramener cette mode au gros chien. Je pense que c'est important. On s'est trop laissé avoir sur les dernières années par les petits chiens, les petits gnagnas, les petits trucs. Ouais, comme ça, je peux l'emporter en vacances avec WAM. Non, mais non, en fait. Ok? Non. Ok? Du bon gros chien, là. Du bon chien de chasse, là. Ici, c'est mignon, ça fait tout, c'est trop beau. Hein, bon, un petit staff. Et franchement, les staffs, je trouve ça hyper joli, hein, vraiment. Hein. C'est hyper joli. Hein. Ah, c'est trop mignon, hein, vraiment. Rottweiler, regarde. Ouais, mais après, le truc, c'est qu'il y a des chiens qui sont assimilés. Rottweiler, Pitbull, machin. Ouais, ouais, ok, d'accord. Rottweiler. Ah non, Rottweiler. Ah putain, c'est vrai que c'est joli. Ouais. À chaque fois, je confonds avec... Et staff, c'est pas American Staff, non? Dis pas. Ah, parce que c'est American Staffordshire Terrier. Ouais, ouais, il y en a, ils sont jolis. Hein. Il y en a, ils sont mignons, quand même. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que je les confonds un peu, ça. Parce que tu vas avoir l'American Pitbull Terrier et le Pitbull. Ok. Ok, ok, bon, je... Ouais. Oh, à côté, il y a un bulldog français, quoi. Oh non, c'est bon, quoi. J'en peux plus. Bulldog français, j'en peux plus. Ah non, ça m'énerve. Et, il est pas là, ton chien? Non, il est chez le veto. Ah, t'as un bulldog? Ok. Non, c'est ça. Sérieux. Ça t'a coûté combien? 600 balles. Ah, ok, d'accord. Ok. Et il était l'off? Ok, tu l'as acheté combien? 1200 balles. Ah, ok, d'accord. Ok. Ah, ouais. Ouais. C'est pas mal, ça. Hein, légende urbaine, ça. Que dalle! Mais que dalle, franchement, les bulldogs terriers, les boules... Attends, on va voir. Chien avec le plus de problèmes.
10 maladies sont effectivement plus présentes chez les chiens de race. La sténose aortique, une maladie cardiaque très présente chez les Terre-Neuve, mais aussi le berger allemand, Boxer, Golden Retriever et Rottweiler. Les chiens de race sont-ils plus malades? Ouais. Quelle race de chien est la plus fragile? Est la plus fragile? Le dog allemand. Ah oui, le dog allemand, c'est un truc... Ah, c'est trop bien. T'as pas besoin de payer du poney pour tes enfants après. Tu leur mets une selle. Ils font 2 mètres de haut, les trucs, c'est ouf. Une espérance de vie assez limitée. Il peut faire de l'arthrose. Attends, c'est hyper intéressant ça. C'est sur quoi? Ok, je connaissais pas. Mais non, je veux pas. Non, je veux pas de tes newsletters. Alors, les pires. Les races de chiens qui sont les plus à risque d'avoir des maladies. Premier, bulldog. Bam. Malgré son physique imposant, un bulldog a des prédispositions à de nombreuses maladies. Calcul urinaire, cancer, passant par des mises à bas difficiles, des anomalies de croissance. C'est aussi un chien qui s'adapte mal au changement de température et a vite du mal à respirer lors d'activités sportives. Bah franchement, j'ai des gens, à chaque fois ils ont un bulldog, j'ai l'impression qu'ils parlent d'un PC sous Windows 98. Quoi. Ah ouais, il y a encore un problème. Ouais, l'autre jour je l'ai fait courir. Il faisait un peu chaud, du coup il est devenu tout raide, les pieds en l'air. Ah ouais, putain, c'est sympa. Le chihuahua, alors bulldog, chihuahua, le dog allemand, donc on en parlait, qu'est-ce que c'est beau quand même. L'épagneul japonais. Ne tapez pas sur machin. Franchement, c'est pas plus mal qu'il soit malade le truc, il est vraiment ridicule. Le cavalier King Charles, oh c'est trop mignon les cavaliers King Charles. Ah, je savais pas que ça avait des problèmes. Le greyhound, ouais, qui est le lévrier quoi, en gros. Le griffon bruxellois. Oh, regardez, tapez griffon bruxellois sur internet. Le truc, on dirait un Ewok. Le border collier. Ah putain, je savais pas. Voilà quoi. Ok. Donc ça, c'était... Ok. Et 20 chiens de race à la santé robuste. On va voir l'inverse du coup. Vas-y, mais arrête. Non, ça m'énerve ces sites internet là. Voilà. Quels sont les chiens? Les races de petite taille. Les plus grands chiens sont davantage susceptibles de rencontrer certains... Ta gueule. Les races anciennes, plus anciennes, les chiens de travail, ok, les races de chiens, la lignée du chaud, le rôle du maître, le facteur malchance. Alors dans les meilleurs chiens avec la meilleure santé, le bouvier australien, jamais entendu parler, j'ai l'impression qu'à chaque fois que les trucs sont australiens, ils sont décolorés en fait. Voilà. Le Basenji, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le Podenco Canario, what the fuck, c'est un chevreuil. Le Caniche. Le Shiba Inu, ouais, nique ta mère. Le Border Collier, on vient de dire qu'il était machin. Le Xoloctic, what? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, il faut que je vous le fasse voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vas-y. Non, attends. Mets-le sur l'écran derrière moi. Ouais. Regarde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Hein? Et là, avant, c'était ça, border collier. Et qu'est-ce que c'est que ce truc, là? On dirait un chevreuil. Mais sérieusement, si tu pars avec ça à la chasse, il revient pas. Hein. Ah, désolé, je croyais que c'était un lièvre. Le Basenji, jamais entendu parler. Bon, vieux australien, moi, quand il est décoloré. Quoi. Il est australien, il est décoloré. Le husky sibérien. Chien de nain, hein, et nain. Ok, donc lui, il a pas de problème. Ah si! En dehors de certains problèmes au niveau des yeux. Des articulations ou de la peau. Ouais, bon, tout le corps, quoi, en fait. Le foxhound américain. Attends, what? C'est pas un foxhound américain, c'est un beagle, ça. Non? On dirait un beagle. Non? On dirait ce qu'il y a de te réveille. Pff, pas du tout. Le whippet. Non, mais franchement, mais qu'est-ce que c'est? J'ai jamais entendu parler de ces races, là. Le berger du Caucase. Trouvant ses origines dans les montagnes séparant la Russie de la Turquie. Ouais, le Caucase, quoi. Ok. Le matin des Pyrénées. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Chicocuken. Le berger d'Auvergne. Oh là, ça, c'est joli. On dirait un braque. Le Schnauzer moyen. Non, mais franchement, ils inventent des noms. Je suis sûr que ça n'existe pas, tu sais. Oui. Le Laïka de Sibérie orientale. Ok. Le chien courant grec. What?
plus what the fuck les uns. L'Irish terrier. Ok. C'est beau les Irish là, avec leur petite stache mou là, j'aime bien. Le berger finnois de Laponie. Oh non, mais ça c'est un. On dirait un mime le truc. Oh, qui reste en Laponie mon gars. Oh le beagle. Oh ça c'est beau ça. Oh ça c'est mignon ça. Résultat de croisement opéré au cours du 11e siècle et ensuite évolué pendant l'année. Ok. Bon bref, n'achetez pas de. J'avais raison. Hein, le bulldog c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est simple. Non mais c'est simple. Voilà, on peut le mettre comme ça. Regarde un Tosa Inu. Ouais non mais c'est quoi c'est... Eh, franchement j'ai l'impression qu'on est en train de regarder une nouvelle marque de chaussures quoi. Ça c'est des Tosa Inu. Attends, Tosa Inu. Image. Ok. Ah c'est joli. Ah c'est stylé. Et j'ai peur, à chaque fois que je clique sur le site, j'ai peur. Ah c'est beau comme tout. Ah c'est bien. Ah c'est chouette. Non ? Je préfère les chats. Attendez, sondage, vous êtes plutôt chat ou chien ? Non mais c'est important, les gens qui sont pour les chats là. Moi je suis allergique donc c'est pas possible. Il n'y a pas de chat sur le campus. Jamais. Le bulldog c'est pas surcoté en Angleterre. C'est pas... Attends. Le bulldog c'est pas surcoté en Angleterre, c'est-à-dire poulet. Moi j'ai hâte de pouvoir aller faire mes études pour l'armée même si je n'ai que 11 ans. Ok Shadow. T'étais pas venu me voir sur Discord toi pour avoir des renseignements ? Tu connais le chien Mary ? Oh non, non. Vous êtes plutôt chat ou chien ? Vas-y, vas-y, faut que je vote là. Ah putain. J'ai... Ma foi dans l'humanité est restaurée. Quand même, 79% pour les chiens. Allez, vas-y, votez là, c'est en haut de votre écran. Ah, c'est quand même beaucoup plus chien que chat quand même, non ? Je kiffe les chats, mais pareil, je suis allergique. Ouais, bah ouais. Ouais, donc moi, je les kiffe, mais quand ils sont chez les autres, quoi. Ah, quoi. Les deux ? Non. Non, Mika. Non, c'est... Voilà. Tu préfères ton père ou ta mère ? On va te faire choisir. Ouais, j'aime bien les deux. Non, tu dois choisir. Les chats, ils te bouffent si tu meurs. À réfléchir. Non, mais les chats, de toute façon... Le voisin leur donne des croquettes, c'est bon. Il a trouvé un nouveau propriétaire. Il s'en bat les reins de ta tronche. Moi, j'aime pas ça. Moi, ça m'énerve. Alors qu'un chien, c'est un vrai compagnon. Vraiment. Un chien, c'est un vrai animal de compagnie. C'est le meilleur ami de l'homme. Un chien, quand tu l'abandonnes sur la route, il suit la voiture. Pensez-y. Allez, on va y aller. Ok, du coup... Yes. Oh. Mais le chien, il faut le sortir H24. Pas si tu habites dans un igloo. Non, je sais pas. Non, mais s'il faut un jardin. Ah, moi, je suis pas trop chien dans une maison. Voilà. Ah, c'est... Voilà, quoi. Après, bon, ça, c'est un truc... voilà, quoi. C'est famille chasseur, tout ça. Pour moi, un chien, c'est dans un chenil. Hein, voilà. Qui est très bien aménagé, etc. Avec son petit confort et tout, machin, truc, vidéo. Il sort très souvent et il a une grande place pour courir et tout. Mais il a un chenil. Enfin, il a une niche, quoi. Et il est dehors. Hein, mais bon, voilà. Sauf s'il fait vraiment très froid. Hein, voilà. Non, un chien dans l'appartement, ouais, voilà. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ça vient te sauver dans l'eau quand tu te noies. Grave. Un chien, ouais, ça fait tout ça, ouais. Alors qu'un chat, mon gars, il s'en bat les couilles. Vraiment, il s'en fout, quoi. C'est individualiste. J'ai pris un malamute de l'Alaska. Je l'ai amené en Alaska et il n'a pas trop apprécié. Il y a une tromperie sur ce nom. Oh le con, je l'ai amené en Alaska, il est mort. Putain, merde. Les chats font 800 km pour te retrouver. Le chien va à l'opposé. Ça, c'est un mytho. Si le chat a fait 800 km pour venir te retrouver, c'est parce que entre les 800 km qu'il a fait, il a trouvé aucun nouveau propriétaire pour lui donner de la bouffe. Ouais, ouais, c'est tout. Il sentait les croquettes, c'est tout. Non, c'est tout. Non. Attendez, on s'assoit tous. Ouais, non, je crois que j'ai vu un menteur. Non. Ça fait que de dormir, en plus. Ça chasse. Il est tout content. Il te rapporte des trucs. Tout ce que le chat te rapporte, c'est des trucs jolis que t'as pas envie de tuer, tu sais. Un lézard, il te le rapporte.
il te rapporte un petit oiseau qui avait rien demandé à personne, il te le rapporte. Et il te rapporte des souris, des petites souris, des petites musaraignes, des petits trucs comme ça, quoi. Voilà. En revanche, le gros rat qui est là depuis 2 semaines et tout, t'inquiète, lui, il va pas y aller. Non, c'est bon, quoi. Non, que dalle. Et puis, c'est là, toujours. C'est con, un laser, ça l'amuse, quoi. Un chien. Ça, c'est le vrai compagnon de l'homme. Ça, c'est une vraie fidélité. Moi, j'aime bien. Ouais. Ok, le Shiba au Japon est un bel exemple. Ah oui, avec la garde. Je l'ai pas vu ce film d'ailleurs, il y avait un film là-dessus. Ouais. Faut leur payer le loyer au chat. Grave. C'est mal à taille du rat aussi. Ok, merci Overa Gamer pour Mushroom sauter les 18 mois de frais de scolarité. Un monstre. Alright, let's go. Je vais rejoindre Mary, il va me tuer. Il va me tuer parce que je lui ai dit, en plus j'ai pas beaucoup de temps. Voilà quoi. Donc j'attends qu'il se démute. Il faudrait lui dire de se démuter. Peut-être qu'il est in-game là, je pense. Il est pas in-game. Là, ce jeu impossible. Ok, et tac, zero hour. Zero hour. On voulait se faire du coop aujourd'hui. Essayer de terminer le mode hardcore sur un truc avec Mary. Voilà quoi. Ok, bah il est in-game, je le vois. Voilà. Il est vraiment trop cool ce jeu. Enfin, il est pas... voilà, il est pas exceptionnel, mais il est vraiment bien. Il est vraiment bien. On déconne, mais c'est avéré que les chats font souvent cela. Oui, non, mais sûrement. Mais il a la dalle, je pense. Ça. Non, mais je rigole. J'aime bien les chats, mais bon, je suis allergique, donc la question se pose pas au final, quoi. C'est marrant cette animation qu'ils ont faite, non ? Yes. Mary doit être in-game là. Il est concentré, il s'est pas démuté. Allez, dis-le, c'est ton nouveau jeu préféré. Mais il n'y a pas grand chose à faire. Quoi, hein, tout simplement. Astralis rejoint la NAL de Rainbow Six. Cool, non ? Ouais. Bah, Pengu va y aller du coup. Il n'est pas coach ? Coach Astralis ? Ou pas la semaine prochaine et la bêta for all. Prêt ou pas pour la semaine prochaine et la bêta for all BF 2042 on est septembre. Le 10. Je dis rien. Mais on sera prêt. On sera là. Hein, moi j'ai envie de vous dire, quand vous entendrez parler de Battlefield 2042 pour la première fois, on sera là. Hein, voilà. C'est tout. Je peux pas en dire plus. C'est quoi le jeu 6 All right. Un bon chat au resto chinois, c'est vrai que c'est bon. Oh, vous êtes trop con. Putain. Attends, alors du coup, je me chauffe ou quoi? Tiens, je vais me chauffer un peu le temps qu'il arrive. Non, on va faire ça. TDM, Training Ground. Mais c'est pas un TDM du coup. Pourquoi il me met ça? C'est pas un TDM du coup. Ah ouais, c'est un TDM. 3 minutes et 38 secondes que je try une mission. Et alors? Et alors, mon maximum, c'est 20 points. Ah ouais? Ah, j'arrive pas à la finir. C'est hardcore. Je dois arrêter un terroriste. C'est très très chaud. Ce jeu n'est pas fait pour les faibles. Ceux qui ont un mental fragile, à un moment donné. Ceux qui n'aiment pas le tryhard, sautez par la fenêtre. Mais de 50 cm. Sinon, ne le faites pas. C'est dangereux. Mais non, c'est niveau exigence, ça fait passer Groundbreach pour une sortie scolaire, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Tu trouves? Ah ouais. Il est plus dur que Groundbreach. Groundbreach, bah, dès lors que tu dois faire gaffe, les mecs utilisent la force contre toi avant de tirer. Et des fois, ils te feintent, mec. Des fois, ils lèvent les mains en l'air. Là, j'ai eu plein de fois ça sur cette mission. Ils lèvent les mains en l'air et discrètement, ils ramènent leur arme. Tu vois? Si ouais. En gros, quand ils ont les mains en l'air, bah, là, t'as utilisé la force alors que c'est pas autorisé. Et faut trouver le bon moment. Mais c'est chaud parce qu'ils ont une aim de bâtard en arc. Hein. Ils te one-tap. Va falloir que tu m'expliques tout ça parce que moi, j'y ai jamais joué du coup en mode solo. Ah, en coop. Ah oui, bah moi en coop, j'ai. Oui. Bah là, moi, si jamais... tu es bien chauffé, moi je vais faire de la merde. Hein. Déjà, est-ce qu'il y a des armes? Oui. Est-ce qu'il faut favoriser du silencieux, pas silencieux? Non, ça n'a aucun impact, j'ai l'impression. Ah ouais? Ce qui est un peu dommage, ouais. Il bouge quand même, quoi, derrière. Ouais. Vas-y, on se termine l'émission, hein, c'est trop dur.
Bah vas-y, on commence par la première et on essaye de les faire 100%. Ah. Return to lobby. Mais alors par contre, je préfère Groundbreach en termes d'immersion. Il ah est quand ouais même vachement plus ouais, Groundbreach à cause est de quoi de la qualité du graphisme. Pas simplement le gameplay qui est beaucoup plus profond dans Groundbreach, le son qui est, je trouve, qui est largement mieux dans Groundbreach, les possibilités tactiques qui sont nettement mieux dans Groundbreach. Là, il est juste difficile parce que les règles le veulent, tu vois. Groundbreach est difficile parce que le jeu est difficile, en fait. Ouais, parce que les mecs mettent des gros one aussi dans Groundbreach, quoi. Ah oui, oui. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire. Mais pour le coup, je préfère Groundbreach. Quand le retour sur Rainbow Six, il n'y a pas de retour, je suis jamais parti dans Rainbow Six. Mais là, lui, il est très, très dur. Invite a friend. Ah, d'accord. Attends, je te dis ça. Ah ouais, oui, en effet. Jouer au jus. Bon, je vais me faire une petite clope. Mais au niveau des armes, avant de lancer, reste dans le menu. Que tu paramètres un peu tes armes. Je te conseille fortement d'enlever tout ce qui est laser, Google Knight et compagnie, parce qu'ils en ont rien à foutre de Google Knight. Prends une lampe. Prends une lampe sur une arme avec en option. Comment ça s'appelle exactement? Je vais aller sur ma M4 te le dire. Avec sur le pad, tu mets ADS only. En gros, dès que tu vises, la lampe s'allume. Oui, d'accord, ok. Tu vois, c'est tout con. Oui, c'est un interrupteur déporté. À tes souhaits. Oui. Parce qu'en fait, là, si tu mets pas ce truc-là, quand tu appuies sur la lampe, là, qui d'ailleurs est une Surefire, cette lampe, c'est elle reste allumée. Bah non, parce qu'en fait, c'est un bouton qui est derrière, qui est au cul de la lampe. Donc tu fais clac-clac avec ton pouce, en fait, en vrai. Ah okay. Oui, d'accord. Ah oui, alors oui. Qu'en rajoutant ce truc-là, c'est un interrupteur déporté qui vient à l'endroit où tu mets ta main. Donc, tu as juste à faire une pression avec la main et, c'est ça. Et voilà. Et ça existe dans la vraie vie. Et tu as la deux possibilités. Tu as soit c'est un interrupteur, donc tu fais clac-clac, clac-clac en toggle. Soit autrement, c'est quand tu serres en fait la poignée que ça va allumer. Et dès que tu arrêtes de serrer, ça... Ouais, c'est ça. Putain, toi, on te la fait pas. Hein. Ah non. Difficile, hein, ce truc-là. Et comme arme, bah, je te conseille, ça dépend. J'ai beaucoup aimé MP5, MP7, M4, personnellement. MP5, moi je vais prendre une M4 là, à voir un peu. Mais la M4, c'est celle où tu peux mettre le plus de trucs. Après, celle qui est bien, c'est la SR. La SR machin. Alors par contre, je joue en coup par coup. Hein, oui. Parce que ça sert à rien. Est-ce que ça augmente la difficulté d'être à deux? Ah ben pour moi, ça va la simplifier. En termes de enfin, il y aura le team kill, il y aura... La difficulté va être augmentée dans le sens où on devra faire deux fois plus attention à pas buter un mec qui essaye de se rendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Pour avoir des points, quand on a neutralisé les mecs, n'oublie pas de ramasser les armes. Ça te rapporte masse de points. Oui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah let's go, on tente. Hein. Ouais, bah ouais, le mieux, je pense qu'effectivement, ça va être de tenter de toute façon. Ouais, bah dis-moi, tu me dis dès que. Alors, tu peux mettre la première. C'est marrant parce que tu peux mettre un FPS cap, mais il te demande pas le nombre que tu peux caper, quoi. Ouais, moi je FPS. Bah, tu l'envoies, tu l'enlèves. Bah non, normal. Mais tu sais même pas du coup. C'est quoi FPS 4 à combien? À 30, à 60, à 144, à 240? On sait même pas en fait. C'est un peu bizarre quand même, non? Mais c'est bien, ça serait bien s'il pouvait mettre directement, tu appuies sur le truc. T'as toujours pas acheté lui, toi. Putain la vache. Oh la vache. C'est de pire en pire. C'est un T-Rex ce truc. Moi ça fait trop... Ouais, ça fait... Je l'ai mis une fois. Une fois j'ai mis de l'huile là, le lithium là. De l'huile, enfin pas de l'huile mais de la graisse de lithium là que je t'ai mise là. Y'a plus un seul bruit quoi. Mécanique, faut de la graisse, c'est tout. Voilà quoi. Les terreaux sont plus nombreux quand on est plus nombreux et elle peut flanquer en coop. Voilà, c'est dit. Oh bah, il flanque déjà. Hein. Ouais, il flanque déjà. Hein. Ouais. Il flanque déjà parce que moi, la nouveauté que j'ai vue, c'est le fait de se rendre. Ils font semblant de se rendre, ça c'est horrible. On met en horrible. Hardcore hein, du coup. Hardcore, ouais. Jusqu'à la mort. T'as la ref? Non, il me demande si j'ai la rêve de Kerry James. Il est ouf. Mais... Ideal G, mon pote. C'est pas Kerry James? Bah si, hardcore jusqu'à la mort.
On va du hardcore, on va du hardcore jusqu'à la mort. C'est hyper vieux, ça. Hein. C'est Kerry James. Ah et, bon mais il y a une phrase que je peux. Y a une, on peut pas chanter les paroles en live maintenant. C'est terminé, celle-là. Celle-là, ah tu bon peux pas. Tu les chantes en live, mon pote. Ne le fais pas alors. Deux qui s'embrassent en pleine rue, en plein Paris. C'est hardcore. Deux chiens. Ah, c'était Ideal J, ouais. C'est vrai. Ideal J. Ouais. Et c'est quoi? Pourquoi Kerry James, du coup? Bah, c'est lui qui a fait le groupe Ideal J. Je savais pas. J'en ai aucune idée. Tu sais qu'il a commencé le rap à 13-14 ans. En 1998, putain la vache. À l'époque, j'écoutais ça, quoi. Ah non, mais ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ah, je connais pas. Kerry James, bam, c'est le retour du rap français. Ok, ok. Le titre, c'est le retour du rap français. Non, là, en l'occurrence, quand j'entendais, c'était le truc de Ideal J hardcore. Le titre, c'est le retour du rap français. C'était okay. Un truc du genre les puissances d'Amérique. Ça, c'est les mecs qui ont découvert Kerry James il y a 5 ans. T'sais. Ah, ça, c'est les le retour plus du rap français. Ah non, mais la rêve, c'est... Attends. Bah... Start Squad. Ouais, Start Squad. Hein. Sur Terror House, du coup. Hardcore. La première, hein. Ouais. Faut la faire en 100 Moi, elle est à 80. Je l'ai faite à 80, c'est bon. Ah ouais. Il y en a qu'une que j'ai fait en 100. On fait en 100. On passe pas tant qu'on n'a pas... Tant qu'on n'a pas 100. Tant qu'on n'a pas 100. Allez, je vais entrer. C'est qui Kerry James? C'est A2RIOT, même. C'est le patron. Ah, Kerry, le mec a dit ça, il a 33 ans quand même. Donc il n'a pas découvert il y a 5 ans. Ouais, il devait écouter Maria Carey à l'époque, je pense. Moi, j'aimais bien Maria Carey. Bah ouais, moi aussi, en plus je dis ça. Mais... Merci évidemment, Fearfly, pour les 4 points de frais scolarité. Un monstre, poulet. Merci beaucoup, vraiment. Vous êtes vraiment des putains de monstres. Ouais, grave. Qu'est-ce qu'elle chantait déjà, Maria Carey? Connue. Elle chantait quoi? Non, pas du tout. J'ai inventé. Je sais plus ce qu'elle chantait. C'est quoi? Parce que dans ma tête, je sais pas pourquoi, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est un truc de Whitney Houston pour le coup. Ouais, non, c'est pas Maria Carey du coup. Bah ouais, c'est Maria Carey. Tu fais start à un moment donné ou... Non, bah je veux qu'on parle de Maria Carey moi. Mais t'as fumé ta clope? Non, c'est vrai que je suis en train de fumer, donc t'as raison. Oui, bah oui! Oh là là. Putain, je te jure, ce mec. Ah oui, All I Want for Christmas is You. Celle-là, tu l'es. All I Want for Christmas is You. All I want for Christmas is a big dick. A big toy. 20 centimeters. In my pussy. All I want for Christmas is a sugar daddy. Ouais, moi j'ai fait des rêves quand j'étais petit. Je voulais plein de trucs pour Noël aussi. Je les ai jamais eus. Ah bah d'accord. On peut attraper un ban sur Twitch pour mauvaise voix. Grave, ce serait trop énorme, franchement. Imagine, moi je serais modérateur Twitch. Oh putain, je comprends pas. Je me suis fait bannir alors que franchement, il n'y a pas de DMCA et tout. Non, c'est juste parce que tu chantes mal. Ou t'as fait une blague de merde. Ok, c'est bon, je suis prêt. Ok, let's go. Co-obsession. Let's go, t'es prêt? 100%. Bah mec, 2 heures de chauffe, je pense que je suis prêt, ouais. Ah bah tu dois être plus prêt que moi, ça c'est sûr. Du coup, j'ai équipé toutes mes armes, j'équipe 2 flashs. On y va. Flash du coup ou grenade? Non, grenade c'est un coup à tuer le mec alors qu'ils avaient pas vu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah. Après ils vont me dire, mais de toute façon, ils sont en train de... Mais moi je rentrerai là-dedans, je te mettrai du one tap. En vérité le jeu, si c'était juste du shoot, s'il y avait pas ça, le jeu serait nettement plus facile. Tu rentrerais, tu ferais tes one tap. Je propose qu'on spawn au même endroit, on va pas commencer à se diviser. Oui, c'est toi le patron. On se fait pas chier, on fait front alley 2 là, hop. Deploying in 10 seconds. D'accord. Alors je propose qu'on fasse ça là, on va là, on fait en zigzag comme ça. Ok. Ok. Ok, coup par coup. Attends, j'équipe toutes mes. Je mets ma lampe sur là-dessus, hop. Oh, j'ai pas pris la lampe, j'ai pris le laser, quel connard.
Donc attends. Rappelle-moi les, ce qu'on appelle les règles d'engagement. Les règles d'engagement, ok. Ne pas, par exemple, ton ennemi c'est moi. Il est de dos. Tu lui tires dessus. C'est là, là tu tapes une pénalité. Là, là tu tapes. Ah oui, viens, viens, radio, radio, radio. Ok. Non, mais on peut le faire sur Discord. Hein? Ah, tu veux le faire in-game? Bah oui, c'est, la radio est bien. Ah ouais. Attends, je vais me muter. Ouais, donc, si le mec est dans ton dos, ok, imagine, je suis l'ennemi. Je suis de dos et tu le tues. Ben là, tu auras la pénalité Unauthorized Use of Force qui s'enclenche. Si le mec est face à toi et qui lève les mains, mais qui lâche pas son arme, une balle dans la tête. Tu t'attends pas qu'il commence à. Ok? Ouais, bon, il va falloir avoir un petit ajustement quand voilà. Même. Si le merci mec Tao pour, les, pour le cas. Dessus, donc à un moment donné, lève les mains en jetant son arme, arrête immédiatement. Roger, roger. Ok. We okay, got 10-4 on the okay. House. You're going first. Ok, non-code baby pussy. Ok, baby pussy. You got a problem with pussies. Ok, no one here. Contact die. Ok, attends, j'avance. Vas-y, j'avance. Vas-y, je regarde la porte. Ok. Tu vois les fenêtres là? Oui, les oui. 3 fenêtres, 4 fenêtres. Il peut y avoir des tangos dedans. Ok. On fait gaffe. Oui, chose importante. T'as une touche pour faire ceci, regarde. Police! Get down! Police! Hands down! Ok, n'hésite pas à l'utiliser parce que s'ils se rendent pas, quand tu fais ça, tu tires. Police! Hands in the air! Police! Ok, il y en a deux à l'intérieur. Ok, j'ouvre à droite, j'ouvre à droite par les fenêtres de droite. Ok, vas-y, vas-y. Neutralisé. Je te rejoins. Mais tu tires quand même très rapidement là! Ah, parce que j'ai une bonne aim! Non, non, mais. Une bonne CAD. C'est pas ça le problème, non, là, là c'est clair. Mais du coup, t'as pas pu voir, c'est pas possible, tu peux pas voir là s'ils sont hostiles ou pas hostiles. Si, au bout d'un moment tu commences à comprendre ce qu'ils font. Ok, y'a peut-être une. Attention, check la porte. J'ouvre à la droite. J'ai la vue sur la porte. Slide down. Un tango down. Là, la mission c'est de secourir deux otages. Tu feras attention parce qu'ils peuvent buter l'otage s'ils l'ont avec eux, je crois. Ok. Sur ping, y'en a un. Ok. Je vais casser la fenêtre et passer par la fenêtre. Ok, ça me va. Ok, je suis là. Je fais le tour du bâtiment. Vas-y, vas-y, je retire une cale qu'ils ont mis à une porte. J'ouvrirai la porte, mais je rentrerai pas dedans. Police! Get down on your knees! Police! On your knees! Fais gaffe au piège. Ok, I'm hit. Je suis blessé, j'ai 55 HP. Ok, ok. Fais gaffe aux pièges qu'ils peuvent mettre aux portes. Ok. Je suis rentré dans la salle principale. Ok. Je regarde la porte qui est là. J'ai une grenade à ma porte, je vais la désamorcer. Je suis actuellement ici. Grenade? Ok. Tu t'approches de la grenade et tu peux la désamorcer. Ouais. Tu vises le fil. Ok. C'est toi la lampe? Affirmatif. Ok. Je vais arriver à gauche de ta lampe. Ok, ok.
Grenade désamorcée. Ouais, ça va. Les toilettes sont clear ici. Ok, j'ai deux grenades, porte toilette et la porte où je suis. Je fais le tour du bâtiment, hein. Toujours au rez-de-chaussée. Vas-y, vas-y. Ça a l'air d'être clean. Je pense que tu vas pouvoir me rejoindre à l'intérieur. Ouais, rez-de-chaussée a l'air clear. Ok, rez-de-chaussée clear. J'ai fait toute la pièce. Ok, je te vois. Ou alors je te rejoins dehors et on monte en rappel. Let's go, rappel, ça me semble bien. Ouais, vas-y, j'arrive. Je ramasse les armes et j'arrive. Ramasse les armes, c'est-à-dire? Les armes des ennemis que t'as tués, faut les ramasser. Là t'as une petite pièce ici, viens la clear. En fait en dessous de mon marqueur. Ouais non mais elle est clear. Ok. Ok c'est bon. Ouais, j'arrive, je suis en dessous de toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est pas matérialisé. Non. Ok, là je pense que c'est une bonne ouverture ici. Fire! Genre vers le ping. Ok, je tiens la ligne. On monte en rappel et on le défonce. À droite et à gauche, nice. Fais gaffe. Je monte tranquillement. Doucement. Il y est. Ok, je l'ai en visu, mais je peux pas tirer, il m'a pas vu. Non, un pénalité. Ça c'est pénalité tout ça? Là t'as déclenché le pénalité parce qu'il bougeait pas, il était statique, il nous avait pas vu. Ok. Pas grave. Vas-y, on recommence si tu veux. Non, on peut avoir les points encore. Il y en a un sur ta droite. Police! Guns down! Police! On your knees! Ok, vas-y, viens, on monte, étage supérieur, et on va... Police! Guns down! Police! Get down! Police! Get down! J'en ai eu deux sur le toit. Ok, moi aussi, hein. Viens avec moi sur le pont, on va redescendre. Ok, j'arrive. Ouais. Attends. Il était armé pourtant. Police! Get down on your knees! Ça tend sur le toit. Hein. J'arrive, il y en avait un en face de moi. L'étage du dessous. J'arrive. Ça a l'air clair. Ouais, c'est clair, j'ai que la pousse. Ok, la batterie et tout là. Je descends le terre. Ok. On va passer par cette porte là, mais j'aimerais clear tous les stairs avant. Ouverte ici. Je vais flasher à l'intérieur, tu vas proc, fais gaffe. Vas-y. La flash part.
orientation, c'est ouvert à gauche. Pas de dispositif, pas de piège. Pas de visu. Attention, je vais à droite. Je vais à droite, c'est un couloir à droite. Non, j'ai un mec sur moi. Tu m'as spawn kill. Blessé. T'es mort ? Je suis mort. Friendlies have been neutralized. Merci, hein. Tao. Merci pour Silver, pour Samuel, vous avez démontré. C'est chaud, hein. Grave, grave, grave. Bah attends, mais là c'était la première fois pour le coup. Oui, c'est pas oui, si oui, difficile oui. que ça. Hein. Mais le unauthorized use of force, tu vois, 1 sur 2. On a les mêmes stats là, tu vois le même truc que ouais, moi. Ouais, ouais, 1 sur 2, ouais, ouais. Ah, ouais. Ok. C'est le mec qui bougeait pas que t'as fumé. Traps triggered. Ok. Pourquoi sur 2 du coup ? Suspect neutralisé. 15 sur 24. Donc il y en avait que, il y en a que 24 sur la truc ? Ouais, là, il n'y en a pas beaucoup. Là. Et arrêté, pourquoi ? Arrêté parce que certains peuvent se rendre. Et dans ce cas-là, il faut les menoter. Ah ouais ! Ça, c'est chaud ! Merci infiniment, Glenoux, nouvel étudiant du campus. Bienvenue c'est à toi, mission, mon poulet. Ouais, merci facile. Beaucoup. N'oubliez pas pour les informations de September. Non, 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 mais moi, ça m'intéresse. Non, non, j'adore. C'est pas la mission plus facile. Complete, mais... vas-y, restart. Hein. Vas-y, vas-y, je suis là. Je sais pas si ça te lance. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Alright. Partner. Ah, c'est parfait, hein. Ah, j'aime beaucoup. Let's go, mute. Ah non, mais moi je t'ai dit depuis tout à l'heure, je fais ça. I got it. Bon, par contre, je veux bien équiper ma M4 cette fois. Ouais, moi j'étais bien sur la M4. Tu m'entends une game ? Ouais. Let's go, on passe une game. Mais faut que tu me mutes sur Discord. Ouais. Frontalet, Bacalet, Frontalet, hein. Plan the ouais, Frontalet. Ouais, got it. Il est gratuit le jeu ? Non, mais alors je sais pas s'il y a toujours les offres sur ce jeu en ce moment, mais il était à pas cher la dernière fois, là. Il y avait 40% je crois sur le jeu. Donc il était à 5 balles, 6 balles, il est entre 5 balles et 9 balles quoi. Et il est vraiment cool, il est vraiment cool. Si vous aimez Grand Branch ou le côté très tactique, ou même du Tarkov, des trucs comme ça, il y a moyen que vous passiez un bon moment surtout avec des potes quoi. Pour les informations Discord, vous pouvez trouver du monde. Passif à droite. Allons. Police, hands up. La porte est ouverte. Attention, contact à droite. Hein. Je vais tirer sur la caméra. Ça ouvre des portes. Okay. Tu tiens la ligne sur la porte ou pas? Non, je vais ouvrir à droite. Ah, c'est un peu dur par là. Hein. Je crois qu'il y a un contact à droite, fais gaffe. Mort. Merde, j'ai une grenade. Attention. Police, get down! Mais merde, putain, je suis en train de regarder. Vas-y, viens. J'ai fait ouais, la merde. Il a balancé une grenade, là ? Ouais. Mais j'avais pas équipé mon la deuxième flash. Ah, comme un con. Il est sur 6€ sur Dell Compare, ouais, ok. C'est après, c'est 9,99€. 6€ en ce moment, sinon c'est 10€. Ok, ça va, ouais.
Non, franchement, il est vraiment bien. Enfin, après, c'est un style de jeu. C'est un style de jeu. On l'a déjà. Moi, c'est le genre de jeu qui me fait kiffer. Les Door Kickers, tout ce côté FPS tactique, ça a toujours été mon grand kiff. Donc, tout ce qui est Door Kickers, tout ce qui est R6 du passé, Grand Branch, ce genre de jeu-là. Voilà, ça me fait vraiment kiffer, quoi. Zero Hour, etc., etc. Les SWAT dans le passé. J'aimerais trop un nouveau SWAT, quoi. On dirait trop SWAT, en plus. D'ailleurs, il devrait l'appeler comme ça. Le jeu me tente pas mal. Ouais, bah, à jouer à plusieurs. Et en plus, l'avantage, c'est que contrairement à Grand Branch, il y a une partie, la partie multiplayer, joueur contre joueur, elle est quand même plus intéressante que Grand Branch, pour le coup. Là, il y a un vrai matchmaking, voilà, qui est pas oufissime, mais qui fait son taf. Je vais devoir faire execute no. Voilà. Yep. Ah, j'ai refait la même connerie, j'ai pas repris ma grenade. Ah, puis j'ai pas mon arme. Enfin. Ouais, mais je... Ça siffle à droite. Un mort. J'ai le ding sur la porte. Ça s'accroupit devant toi. Bon, y'a pas eu de notorized use of force, donc on est bon. Non, on est bon. Ça sur la droite. Je vais tout de suite à droite. Personne sur la droite. J'ouvre à droite, fais gaffe. Alors GG. Porte ouverte. Ouais, ils sont deux dans le... Putain, c'est chaud. En face de toi, dans cette salle-là, ouais. Ah, là-dedans. Fais gaffe à tes pieds. Ah, c'est bon. Bouton 4, c'est quoi? Bouton 4. Nice. All friendlies have been neutralized. Sorry, j'aurais dû courir. Merci Biou pour les 22 mois. Un monstre poulet, merci beaucoup vraiment. Ça va pas être simple. En même temps, je pense sincèrement que cet endroit pour démarrer est pas bon. Le petit passage là au début, tu vois ce que je veux dire? Il est un peu compliqué au final. Je trouve pas génial. Merci Couillemoule pour les 39 mois déjà. 39 mois, le monstre. Merci beaucoup poulet, vraiment. Ouais, ça va très bien. Merci Biou, merci Quimol, merci les vrais étudiants du campus de 7 Soltier Academy qui payent leur droit de scolarité depuis très longtemps. Des monstres, merci beaucoup, vraiment. Faites le fil, ouais, mais c'est le mousecat que je trouvais pas, en fait. Du coup, je suis pas fan du... Je suis pas fan du départ, là. Bah ouais, on peut changer. Ok. Ça c'est bon. Backyard. Vas-y, backyard. On va tester. Plan the execution. Ah, c'est cool, moi, ça a de la forme. Yeah. Backyard. C'est où backyard? Tu peux skip, hein. Ça me paraît mieux déjà. Plus simple ici, hein. Lumière au bout, je crois. Il y a du monde là-dedans. Je vois une ombre ici.
l'extérieur au bout. Oh, corner en face de toi, non? Fais gaffe. Non, c'est un truc qui vient de passer, mais... Je vais flasher à droite si tu veux pour toi. Ouais, il est juste là. Oh, j'ai sauvé l'otage, mon pote. Bon, j'ai pris cher. Tenez l'otage, on joue. J'ai mis une balle. Mort. J'ai 4 HP. Ah putain, une autorisée de force. Il était flashé. Vas-y, on recommence, hein. Une autorisée, ça veut dire flashé et on n'a pas le droit de le tuer. Tango down! Attends. Lol. Il y a des pièges partout, sérieux. Explosé. On peut pas commencer sur le toit? Moins 14. Non, on peut pas commencer sur le toit. Let's go! Mais le spawn est mieux. Et attends, et donc si t'es flashé... Si t'es flashé... Je connais l'autre par cœur. Hein, bon, on s'en fout, 100% sur celle-là. S'il est flashé, on l'a dans le cul. Hein? Faut attendre qu'il se déflash, quoi. Oh lol, pour savoir ce qu'il fait en fait. Ouais. Ah, c'est dur. Ah, mais justement, flashé. Ouais. Pas évident, pas évident. Et de nuit, ils réagissent comment? Si on coupe les lumières? Ouais. Moi j'ai été un peu déçu parce qu'il n'y a pas de différence. Non, les mecs te mettent des gros one tap alors que. Ouais. Ah putain. Pas cool ça. Ça, c'est pas cool en revanche. Ça serait bien. Ça serait bien qu'ils. Voilà quoi. T'éteins la lumière et tout. Et donc, du coup, les mecs ils sont obligés d'y aller à la flashlight. Et donc, voilà quoi. Je me suis mis au bon endroit ou pas? Ah, je me suis mis au mauvais endroit. Mais c'est pas grave, travaille de ton côté. Ah, j'arrive. Non, passe de l'autre côté, plus. Police, get down! Police, hands up! Police, hands up! Police, hands in the air! Ok, un tango down. Non, j'arrive avec toi. Non, mais il a disparu et réapparu devant, il m'a touché. Lui, il levait les bras et au fur et à mesure, il ramenait l'arme sur lui. Police! Un mort. Ouais, c'est désamorcer une bombe. Il a l'otage. J'arrive, hein. Il m'a bien touché le bâton. Je suis rentré. Ok. Fais gaffe aux portes. J'arrive en face de toi. Hein. Repassez-moi là.
C'est l'otage. Ouais, c'est l'otage. Police, get down! Ah, c'est toi ça, merde. Pardon. Ah, on a un terroriste qui a abattu le sergent. Un terroriste qui a abattu le sergent. It was at this moment that he knew. He fucked up. Merci à lui manquer ainsi pour les 5 points de frais de scolarité. Merci mon poulet, merci pour les 5 points de frais de scolarité. Coucou, même si je vous ai dit que One Piece c'est de la merde, j'ai quand même décidé de rester ici. Merci mon poulet, merci beaucoup beaucoup. Non, il faudra que je regarde One Piece. Police. Donc là c'était un authorized par exemple là. Il levait les mains. Non non, tu as pris un unauthorized là. Bah fais une table, tu verras. Bah ouais, justement t'as pris un... Ah ouais, t'as raison. Pourquoi? Parce qu'il a levé les mains, il a pas acheté son arme et il ramenait son arme sur lui. Oh l'enculé. Il ramenait tout doucement son arme. Loul. Prime motherfucker. Ah il m'a séché. Allez let's go. Ouais, en fait quand j'ai entendu l'explosion je pensais que t'étais mort. Et du coup quand j'ai vu le mec, c'est grave. Bien difficile de mort. On va y arriver. Oh putain, je kiffe ce genre de jeu, moi. Tac. Un 100. Ok, j'ai pris la flash. Backyard. Moi, je vais pousser main gate. Ouais, bah si tu veux, vas-y, je vais commencer derrière. Le truc, ça se trouve, c'est peut-être pas d'y aller ensemble, puisqu'ils bougent pas des masses, donc ça se trouve, c'est de clear le maximum, chacun de son côté, quoi. Plan the execution. Ouais, faut que je prenne l'habitude pour les portes. Faut que je fasse gaffe aux portes. Have fun. Voilà, pour rigoler. Le bâtard, il m'a déjà mis 80 HP, le bâtard. T'es à 20 ou t'es à 80? 80. Police! Get down! J'arrive en face de toi, fais gaffe. Je vais ouvrir la porte pour travailler avec toi, fais gaffe. Vas-y, fais gaffe à ta gauche. Y'en a un qui arrive. Ouais. Mort. T'as touché? A priori, ouais. Ça ouvre à droite. Ça tire devant moi, je vois pas par là. Ouais, toujours là. Je l'ai vu. Nice. Ça parle par là. Je suis à la porte. Moi en face de toi, dans le loin. Bon. Fais gaffe, t'as une grenade au pied. J'ai vu, Dieu. Non, flash. Tu m'as flashé. Waouh, j'ai pris cher. Mort. Tu l'as eu? Ouais. Un autre mort dans le couloir. Un autre mort, je suis mort. Non. Putain. Oh, got a friend down, friendly down. I repeat. Requesting evac right now. Dur, hein, dur, tellement bon. Oh, j'adore ça. Ça, c'est le Dark Soul du FPS, quoi. Le Dark Soul du FPS. J'adore. On va y arriver. Je sais qu'on va y arriver. On va le faire, Mary, on va le faire.
Bien sûr qu'on va le faire. On est des monstres, mec. Bien sûr qu'on est des monstres. Backhand. C'est chiant de pas pouvoir accélérer plus vite, là, enfin, la phase de prep. Essayer en PVP, c'est tendu. Ouais, on a grave essayé en PVP. On a beaucoup essayé en PVP. Le shield. Eh, le shield. Et le shield. Ouais, ça peut être marrant, le shield. Je me passe devant, tu passes derrière, tu mets des têtes pendant qu'il me tire dessus. Je vais passer derrière. Ouais, non, tu passes devant, je passe derrière, du coup. J'adore quand tu passes derrière. Deploying in 10 seconds. Ouais. Non, c'est... Let's go. Celle-là, c'est la bonne. Un mort dehors, il était sur ping. Okay. Mort. Police, get down! Ça va toi? Je tire pas moi pour le moment. Le mec était sorti. Il a pris un turn. C'est bon, c'est bon. 80 HP. Ah oui. T'es en face de toi ou presque? Guns down! Un mort au fond. Jumping mort. Mort. Je suis derrière toi, tire pas. Ok. Ça m'a l'air clear. Rachel, c'est clear? Clear de mon côté, ouais. Ok. Et là-bas, tu l'as fait là? Ouais, ouais, tout est clear. Ok, let's go. Est-ce qu'on ferait pas escalier, rampe, rappel? Ouais, ouais. Et rappel, va. Shoot vers l'extérieur, on monte sur le toit, on descend vers le dans le stairway? Moi, j'aurais bien pris l'escalier direct vu que j'ai la MP7. Tu veux monter dans l'escalier là? Ouais, ouais, ouais. Ok, essayons de faire ça et j'essaie de t'aider de l'extérieur. Ça sert à quoi de ramasser les armes? Des points. Ok. Je suis devant la porte est pingée, hein. C'est mon message. Ici. Tu vas faire cet étage là, le premier? Ouais, ouais. Ok, je vais ouvrir la porte. Il y a du monde à l'intérieur, je vais flasher. La flash me flash pour rien faire. Mais il y a du monde à l'intérieur, juste devant moi. Il se rend, il y en a un qui se rend devant moi. Il a les mains levées. Il a les mains sur la tête. Police, on your knees. Ok, je le vois, je le vois. J'ouvre la porte en face.
Là, je l'ai eu. J'en ai neutralisé un. T'as neutralisé un, t'es un monstre. Sur ping, hein. Ouverture de porte, je sais pas où. C'est moi là où la porte est fermée. Ok, je suis derrière toi, fais gaffe. Ok, je me note le mec. Piège, ouais, fais gaffe. Eh bah, ben, il y avait du monde. Sur ping, il y a du monde. Il a dit qu'il était désolé. Je crois qu'il a insulté ta mère. Ouverture de porte. Info, couche pas trop. Non, je l'ai eu, C'est juste derrière la porte au bâton. Bien joué. Ouais. Info, c'est toi là? Ok, très bien. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Non, je suis bien, J'ouvre un peu, vas-y, tu peux rentrer. Derrière toi, je crois que ça bouge. C'est pas où ça bouge, mais ça bouge. Au-dessus, derrière, je sais pas. Ça bouge, hein. Ça avance, bouge pas. J'ai l'otage en visu. Bye, Gulugren, bye, bye. J'ai les deux otages en visu. Deux otages en visu. Ok, nice. Pour éclairer l'appartement, coiffe l'objectif. Ouais, avant je vais les rassembler. Je vais les laisser là, on sait qu'ils seront au premier étage des deux. Je clear tout, hein. Y a une salle de bain là. Ok, je récupère les armes. Vas-y, vas-y. On est pas trop mal parce que je pense que tout est clair, hein. C'est moi qui ouvre la porte, hein. Oh, tu m'as dit que c'était clair à 7 étages, de toute façon. Ouais, mais au cas où. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Faut faire gaffe que ça descende pas dans les escaliers. Je cours un peu partout, c'est bien clair. HP, t'es à combien? HP 80. Je suis 60, donc on est plutôt okay. Bien. Ok, mets-toi là, poulet. Mets-toi là. Exactement sur ping, je t'ouvre la porte. Personne dans les serres. Comment on ferme la porte? Ça marche au-dessus, vers le ping. Ok. À environ, hein, je m'entends. Porte fermée, porte fermée. C'est pas génial de jouer les étages, hein, parce qu'on peut pas trop lever le... Ce que je te propose... Je repasse vers l'extérieur. Vas-y, vas-y. Je vais essayer de me faire ceux du toit avant. Je vais tirer, c'est... J'arrive. Tranquille. Les deux morts sur le toit. Les deux morts. T'as combien d'HP? Attends. 30. Ça va faire avec lui. Ok. Ok, j'arrive en rappel. Vas-y. Je fouille là où il y avait les batteries tout à l'heure. Je suis au niveau du troisième étage, étage en dessous de toi. Okay. Je vais commencer à jouer par la fenêtre. Police! Heads up! Contact sur moi. Zen, on est bon? Je vais ouvrir la porte, enfin je vais l'entrouvrir. Police, guns down! Neutraliser les deux. Il reste trois suspects. Ok. Flash qui va partir vers toi. Ok, vas-y.
j'avance. Attention vers droite. Pas de précipitation. Caméra down. Je vois un otage. Ok, je vois un homme armé. Je peux le foutre sur la porte, monsieur. Il est mort. Il est mort, bon, nice. Il reste deux suspects. Je rentre sur le balcon à ta gauche. Vas-y. Je suis à ton étage. Vas-y. Tranquille, hein, tranquille. T'as de la flash ? Ok, ok, écoute-moi bien. Oui ? Il a un otage, il le tient en joue. Ok, il est derrière lui. Essaye de le flasher peut-être ? Je vais le flasher. Quelle porte ? Dans le bâtiment où tu regardes là ? Dans le truc ? Je vais ouvrir là où je suis du coup, on est d'accord ? Info sur la flash, vas-y, fais partir, c'est toi qui décides. Police ! Guns down ! Police, get down! Il se rend. Attention à la petite pièce. Pièce à droite. Police, heads up! Je surveille la pièce. Je surveille aussi. Vas-y, tu passes devant moi. Nice. Ouverture à droite, fais gaffe. Nice. Police, get down on your knees! J'ai récupéré son arme. Il reste un bonhomme quelque part. Police, get down on your knees! On s'en fout de ta main. Ta gueule. Il reste peut-être quelqu'un à notre étage, attention. T'as vérifié les petites pièces à droite, dans le couloir 90 ? Ouais, toutes les petites pièces ont été faites là. Ok. Attends, mais il y a 4 otages ou quoi ? Chut, je l'entends. C'est l'otage qui se déplace avec moi. Ok. Une seconde. Récupère les armes. Je suis dans les fers. Ok. Il est peut-être à l'XT, hein. Il est peut-être à l'XT. Ouais, c'est possible. Dans le stairway. Quand tu disais que t'allais clear Attends, parce que là il y a une porte qui est ouverte et je l'ai jamais ouverte cette porte. Tu peux se balader dans le bâtiment, fais gaffe. Info ? Non, pas d'info. Je retourne au second étage. Ok, le toit est vraiment clear. Ah mais attends. Suspect live, il en resterait deux. Suspect arrêté, deux. C'est peut-être eux en fait. Ah, bien vu. Et pourquoi pénalise une ? Parce qu'on a, Ah, tu t'es pris une grenade ? Non. Non, ah si, tu sais ce que j'ai fait ? J'ai tiré dans une grenade pour la désamorcer de loin et ça l'a compté en fait. Oh le bâtard, ça, ok. Ça... Ouais, ça marche pas. Ok, bah let's go, je pense que t'as raison. Je pense qu'on peut récupérer les otages. Let's go. Très bon ça. Récupérer les armes aussi. Ouais, ouais. On aurait dû les compter comme ça, ça aurait été plus simple. De prendre un otage avec toi. Ok.
Où est-ce qu'il y en a? Là-bas. J'espère qu'on peut pas faire grand-chose. Hein. Il y en a un là-bas, je le vois pas moi. Dans la salle, tu le vois pas? Non. C'est bizarre. En même temps, c'est bizarre parce que moi, je vois 4 otages au total. Donc... Bon, lui, je vais le ramener. Moi, j'ai marqué objectif 1 sur 3, c'est quoi? C'est les otages. Ok. Donc, normalement, 3 otages, quoi. Je retourne au dernier étage chercher l'otage. Là je viens de faire un truc pour faire parler le mec. Ça va nous donner un objectif de faire parler le mec. L'un des objectifs c'était peut-être de faire parler d'un des gars. Rescue unknown. Ouais. Je vais voir au-dessus si l'autre, je peux pas faire la même chose en étant en face de lui. Je sais pas pourquoi, c'était un peu bugué, mais je me suis mis en face d'un des mecs qui était menotté, je l'ai fait parler, j'ai l'impression, et voilà. Ah bah non, toi tu l'emmènes avec toi, ok, c'est un peu chelou, mec. Moi je le vois pas, il me suit pas, là. Moi je le vois te suivre. Ok. Ça a l'air d'être un peu bugué, là. Ouais, je pense aussi, hein. On a déjà fait, hein. Attention au piège qui resterait quand même. On est bon. Quand ils sont flash, dis leur police pour pas perdre de points. Ouais, ce que j'ai fait tout à l'heure. Ouais. J'en ai deux dehors. Il en faut un troisième dehors. Le troisième, je sais pas où il est. Mais voilà. En fait, en le faisant parler, lui, ça me fait des bing bing. Je sais pas, c'est peut-être pour avoir des informations par rapport où est l'otage, ce genre de truc là. J'ai quand même une espèce de petit ding d'achievement. Ouais, je l'ai entendu. En faisant parler le bonhomme. Merci infiniment, Iskar, le monstre. Nouvel étudiant du campus. Welcome. Welcome to the campus of the Soldier okay, Academy. Bon. Oh nice. 3 sur 3. Ok. Tous les objectifs sont complets. Donc faut faire quoi? Faut s'évacuer et c'est bon? Ouais, c'est bon. I'm on my way. All enemies have been neutralized. C'était pas mal, c'était pas mal. 91, nice. Ouais, franchement, c'est propre, mec. On n'avait hein. pas la pénalité. On n'avait pas la pénalité, c'était bon. Bah, le 9 points perdus sur ce truc-là que tu savais pas et qu'on savait pas, quoi. Quand t'as tenté de shooter dans une machine. Moi, je suis en train de parler sur Discord, poulet. Alors, attends, regarde ce qu'il y avait. Suspect arrêté, 2 sur 2. Donc, il y avait bien 2 suspects qu'il fallait arrêter. Donc, 2 suspects qu'on savait déjà qui allaient se rendre. Non, ça veut pas dire. Ça veut ah pas bon dire, c'est très aléatoire. Ah ouais. Parce que ça se trouve, il y en a 4 qui vont se rendre et après, ça te fera 4 sur 4. Voilà. Merci évidemment, Davide, pour les 15 mois. T'es un bon soulet. Merci beaucoup. Vous êtes des bons. N'oubliez pas pour les informations de septembre. Qui se rendent, en fait. Profitez-en. Ok, mais 91%, c'est très beau quand même. On aurait pu gratter un point avec les armes récupérées. On en a loupé 2 a priori. 22 ah ouais sur 24. Ouais, bah ouais. Ouais. Donc du coup, ça c'est important. Prochaine étape. À chaque fois qu'on récupère des armes, on compte. Ok ? C'est tout. Ouais, bah oui, vu qu'on a le nombre. Ouais, 24. Ouais. On se parle. Bah, c'est ce que j'ai dit. En fait, alors j'étais en train de me dire, ouais, mais là, ça se trouve, je suis par en train d'en chercher, etc. Il y a un truc que je piche pas dans le tableau. J'aurais dû faire le rez-de-chaussée parce que je sais qu'ils étaient au rez-de-chaussée, hein, les trucs. Il y a un truc que je piche pas au tableau, c'est trap. Donc les pièges déclenchés, on a moins 3 points parce qu'on en a déclenché un. Mais par contre, on se tape à moins 5 points en unauthorized use force alors que je vois 0 sur 1.
T'as vu? Ouais, j'ai vu, hein. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Toi, tu vois 1 sur... tu vois 1 sur 1? Qu'est-ce qui t'arrive, Overgamer? J'arrive, Foulet. Je vois... Moi, je vois 0 sur 1. Je vois 0 sur 1. D'accord, ok. Donc, comme si, en fait... en gros, il aurait fallu qu'on fasse une autorisation, enfin un usage de la force non autorisé en fait. C'est ça que ça voudrait dire quoi. Non, 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 non. Il faut surtout pas faire un usage. Et un petit coup de crosse. Je sais pas. Je sais pas si ça compte comme. Parce que sur SWAT, tu peux mettre des coups de crosse, tu sais, non ou même sur Door Kickers, tu vois. Tu peux mettre des coups de crosse pour police stories. Tu mets des coups de crosse pour les faire... quand tu leur fais... police, get down. Et ils veulent pas, mais si tu leur mets des gros coups de crosse dans la tronche, ils droppent leurs armes. Voilà, donc je sais pas si c'est un peu copié. Vas-y, je fume une clope. J'arrive. Merci évidemment au Vera Gamer d'avoir offert la possibilité à 89 personnes. Leur droit de scolarité au frais d'inscription au campus de la Saltier Academy. Que dire, à part envoyer plein de GG, plein de cœurs, le GOAT qui vient... de nous déclencher presque un train de live en plus, un autre. Merci infiniment, poulet. Je vais pas lire tous les noms, il y en a beaucoup trop, mais c'est beaucoup trop généreux. Merci infiniment, vraiment, ça me touche énormément de faire en sorte que le campus de la Salty Academy puisse continuer, exister. Le monstre, plein de GG, plein de cœur. Spammez-moi ce chat, s'il vous plaît. Vous êtes plus de 250, tranquillement, pour ce petit vendredi après-midi. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît, pour Avara Gamer. C'est pas la première fois qu'il envoie du lourd en plus. Donc plein de GG, plein de cœur. Le monstre en fait, tout simplement. Merci beaucoup poulet, c'est le cadeau de la rentrée, le cadeau du septembre, parce que pendant tout le mois de septembre, eh bien les subs sont moins chers, donc profitez-en si vous voulez devenir étudiant. Oui. Merci évidemment Vora Gamer, t'es un monstre. Et merci Ducky pour Beans Talio, lui aussi lui offre un droit de scolarité, mais Vora Gamer monstrueux. Merci beaucoup vraiment poulet, ça me touche énormément. Je sais pas quoi dire, vraiment. À part merci en fait, genre vraiment merci. Tu veux faire quoi, on continue? Bah ouais. Mission success. 91, on se dit c'est pas mal. Bah on peut valider. Après, normalement, je pense qu'on peut faire 100%, mais on peut valider, ouais. Ouais. Ouais, mais toi, tu veux faire quoi, du coup? Bah vas-y, on enchaîne. Tu veux faire une autre mission? Bah oui, on fait la prochaine. D'accord, ok. Moi, je l'ai faite la prochaine. Moi, là où je suis stoppé, c'est à la MET. C'est la quatrième mission, je crois. Ah ok, d'accord. Et du coup, H91 et R, c'est quoi? Ah, H, hardcore et régular, ok. T'as un clébard chez Watt ou quoi? Un voisin. Bute-le. Monsieur, arrêtez d'aboyer. Merci Overgamer. Et je vais le dire 1000 fois, hein. Mec, t'es un monstre, hein, vraiment. Vraiment, le monstre. Alright. Une vidéo sur BF? Ah bon? 2 minutes 48? Mais si c'est des leaks, j'en veux pas. Ça serait le 22, ça serait le 22 la bêta, je pense. Ah bon? Ouais. D'où ça vient cette info? C'est une forte supputation. Ok. Ah, c'est pas l'info. Mais je le disais tout à l'heure, puisque de toute façon ils vont prendre 2 semaines avant la sortie du 15 octobre. À mon avis, c'est fin septembre, grand maximum. Hein. C'est obligé. Anyway. Let's go. Bon, ça fait plaisir en tout cas, on a été bon, hein. On a été méga bon, là, mec. On a été hein. Bon, là on a été très, bon. Très très bon. Alors, la prochaine mission elle est bizarre parce que j'ai réussi à la passer, mais j'ai score hardcore 0. Tu verras, c'est Residential House. Autorisé d'engager les suspects qui montrent. N'importe quel objectif de langage du suspect s'il vous tire dessus. Withdraw, je sais pas ce que ça veut dire, withdraw. Alors, enlever. Enlever. From engaging a surrounding suspect. Mais je vais regarder. Withdraw from engaging a fleeing suspect. Withdraw from fleeing. Ouais, je sais pas. Ah, il y a une vidéo qui est sortie, mais c'est Battlefield France. Attends, je vais la regarder. Vas-y, envoyez-la-moi sur le lien sur Discord. Oh là là, les monstres. Merci Krusty le monstre qui rajoute tout ça et qui offre la possibilité à Bald Kid, à Papi Poulot,
à Papy Loulou, à Big Boys, à Ali et à Big Boys, leur droit de scolarité au sein du campus. On sait pas. Le monstre, plein de GG, plein de cœur pour eux, s'il vous plaît. Vous êtes des putains de monstres, vraiment. Plein de GG, plein de cœur. Bah, s'ils décalent la bêta, ils peuvent décaler la sortie du jeu. GG. Il est dur le jeu, il est dur, vraiment dur. Coopératif, tactical et difficile. C'est tout ce que j'aime. Ok, donc ramener l'ordre dans le chaos. Donc ça veut dire buter tout le monde, quoi. Il y a un Intel à récupérer, du coup, c'est ça? Ouais. Ok. Un document, un Intel, un document, et il y a un ambassadeur à récupérer. Ouais. Donc, vous êtes autorisé à engager à tous les suspects qui vous ont montré un acte d'hostilité. Vous êtes autorisé à engager tous les suspects qui vous tirent dessus. Merci. withdraw from engaging at a surrounding suspect. Withdraw from engaging at a flying suspect. Vous n'êtes pas autorisé, en fait, à engager un suspect qui se rend, pas autorisé à engager un suspect qui prendrait la flûte et la fuite, ou une flûte aussi. La flûte aussi. Vous n'êtes pas autorisé à tirer sur un otage, vous n'êtes pas autorisé à tirer en friendly fire. Voilà, assez simple au final. Oui, c'est un peu de l'évidence, mais ok. Ok, let's go. Encore plein GG et plein de cœur. Ovara Gamer et Krusty, vous êtes des monstres. Merci beaucoup, poulet. Et merci pour tout ce que tu fais en plus, Krusty, pour le community management de cette Salty Academy. C'est putain de monstre. J'ai beaucoup de chance de vous avoir et vous inquiétez pas. On va y aller tous au top. Je vous le promets. Alright. Alright, motherfuckers. Putain, c'est cool de jouer ça avec toi en tout cas. Ça me rappelle la bonne petite période Grand Branch aussi. Tellement. Attends, mais j'ai lancé la même. Mais moi, Grand Branch, je l'ai réinstallé. Hein. Ouais, bah faudra qu'on se termine l'émission qu'on n'a pas faite. Hein. Vas-y, je prends le gate. Attends, mais c'est la même mission, ça. Je crois, ouais. Non. C'est bizarre, c'est les mêmes noms d'entrée. Ouais. Non, c'est les mêmes noms d'entrée, mais c'est pas la même. Ah ouais, un peu grimement. Ça, c'est la mission sur laquelle on s'est frité tous les deux. Ah, ok. Ah, cool, donc pas mal de rappels encore. Police! Guns down! Wow. Info. Reporting. J'ai tué un otage. Il ok, bon otage, on court. Bâtard. Lunettes, c'est pas la meilleure idée. Augmenter gamma. I'm coming. I'm dying. En haut de fer. À ta droite. C'est bouclé là. Police! Get down! Voilà. Police! Tu t'en fous des règles d'engagement là. Ah, tu les vois, tu les tues hein. We got a fist the pit on their house. I repeat, fist the pit. Hey, 15 points quand même. Pour avoir buté un otage, c'est pas dégueu. J'avoue, mais c'était la servante. Merci infiniment, Krusty. Et les autres, vous êtes des monstres. Alright. Bending 0 sapeur 0. Ouais, il est cool. Je m'étais trompé, j'avais jugé trop rapidement. Comme c'est souvent le cas. Encore merci Over Gamer, hein. Vraiment, on s'arrête pas de passer pas mettre depuis tout à l'heure le monstre. Alright. Bon bah pareil. Hein. Ok, c'est bon, j'ai ma flashlight, j'avais pas équipé ma flashlight. Tu vas mettre la night vision? Non, j'ai pas pris. Planning execution.
je suis rentré par où, en fait? Je suis rentré par là. Deploying in 10 seconds. Ah, c'est l'endroit où je rentre. Tu rentres par où, toi? Bingo. Tu peux te mettre ton marqueur avant d'y aller, c'est ça qui est cool. Et il reste, tu vois, le marqueur vert. Ouais, je sais, je sais. Ça, c'est vraiment cool, je trouve. I'm getting in. Police! Get down! Je ramasse une arme. J'ai pris cher, j'ai 5 HP. Dans la maison. Je sais. Je peux pas faire beaucoup de dégâts. Police, get down! Eh merde. Police, get down! Police, hands in the air! Ça a déclenché une autorisée de force. Oh, mais il était flashé! Ouais, c'est bon. C'est moi. Vas-y, arrête! Tu m'as défoncé! Trop pas! Prends la bison? Non! Négatif. Call of Duty Med, time. Tu vas te faire one tap. Ah, bravo. Grosse ouverture de porte. Amazing! Loul! Regarde un gros blaireau. 3 points, 3 points. Franchement, tout à l'heure, on l'a fait en 3 fois. J'ai bien envie de taper par en haut et terminer en bas, en fait. Plus simple de descendre dans les escaliers que les monter. Ouais, vas-y. Mais toi, tu veux... Enfin, comme tu veux. C'est la bonne. J'ai repris ma MP7. Tout à l'heure, t'as fait le taf avec, hein. Ah, je peux pas viser dans le temps. Police! Guns down! J'ai neutralisé le mec, il voulait pas baisser son arme et il m'a pas obéi, j'ai dû le tuer.
C'est bon, je vais bien. Police! Heads up! C'est moi. Le mec est neutralisé là, il était au top. Ok, t'as ramassé une arme depuis tout à l'heure? Ouais. Combien? Une. T'es sûr que c'était pas la game d'avant? Non, non, c'est là maintenant comme le faire. Ok, deux du coup. Neutralisé. Pas facile avec le laser. Oh non mais genre! T'as fait quoi? T'as tué l'ambassadeur? Ah, c'est embêtant! Mais ouais, mais... Il était derrière la porte ce bâtard et il y avait une arme qui dépassait. C'est un terroriste ça? C'est pas l'ambassadeur que j'ai eu? Bah il y a marqué fer, non? Non? Eh oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un terroriste que j'ai eu. Mais l'ambassadeur était peut-être un terroriste, non? Ils ont buté l'ambassadeur, ces bâtards. Ah bon? Va peut-être ouais, falloir sortir du silencieux, hein. Ah non, c'est pas ça. C'est qu'en butant le mec qui était derrière la porte, j'ai travers le terroriste qui tenait l'otage. Non. L'otage. Si, si, si. Donc en fait, j'ai fait 3 kills. 3 kills. Bien ouais, mais mal ouais. Mais j'ai dû faire un. Parce que j'ai tiré qu'une balle. Une balle, ça les a alignés. Regarde bien voir là où je suis, je vais te montrer la débilité du truc. Tu vois la porte entrouverte là? Ouais. J'ai mis une balle comme ça. Toi tu vas voir, il y a un terroriste qui est mort par terre. Regarde les deux alignés dans le sol. Oh là là, la blague. Ou alors il le tue, ou alors il le tue. Bah ouais, mais pourquoi il serait mort le terroriste? Ouais, je sais pas. Dans la ligne où j'étais. Hein. L'ambassadeur est mort, on est d'accord. Oh, ouais, il est décédé. Ouais. Vas-y, je reprends. Mais j'ai envie de prendre un silencieux au cas où, quand même. Vas-y, je vais prendre le silencieux sur la MP7. Pas vraiment besoin de plus de firepower. En plus, la plupart du temps, tu peux quand même mettre des one-tap là-dedans. When they breach each orange, which can be attached to a door and door, it's quick but can be very dangerous for both sides of the door. C2 bridge use 9 kilos of C4. Prends les lunettes. 9 kilos de C4 pour faire péter une porte en web. Putain la vache. Allez, let's go. Alright, let's go. Allez pour nous celle-là. Celle-là, c'est la note. Neutraliser un suspect. Police, get down! Ok, win. T'es au rez-de-chaussée, tu fais quoi? Je suis à côté du générateur, je suis engagé là. Mais tu vas clear le rez-de-chaussée? Ouais, ouais. Il est mort. T'as des lunettes ou pas de vision? Négatif. Ok, bah j'éteins pas la lumière. Oh, wow.
Oh le bâtard. Les tuer, ils sont deux. Oh la grande salle là. Voilà. T'as eu l'otage encore. L'otage est mort. Piège à ta porte. Bah ça fait sécure ambassadeur s'il te plaît. Regarde fait tab et regarde tout ça. Sécure ambassadeur quoi? All friendlies have been neutralized. Incomplet. Ouais mais c'est parce qu'il est pas sécure. En fait depuis tout à l'heure on okay, a. Ok, oui c'est incomplet, c'est pas. Ok d'accord. On a fait moins 11 quand même. Ouais, moins 6 moi. Donc déjà c'est pas les mêmes trucs. Ouais après ça dépend du truc. Ok ok, faudra qu'on... Ok ok. Restart. On est bon, on est bon, on est bon. Ça va le faire. Et le silencieux est cool hein. Si silencieux ça passe bien. Oui. Si t'appuies deux fois sur recharger, si tu charges, ça recharge plus vite, par contre tu jettes ton chargeur. Ah ouais? Comme dans Tarkov? T'es sûr? Ils ont mis le même principe? Faut jouer avec un shield si vous voulez, afin ça, ça rentre pour eux. Sans prendre une balle à chaque fois. Tu penses un shield? Bah tout à l'heure on l'a fait sans shield, après shield ça doit, ça va être sympa, mais ça va, mais ça va être trop lourd au final. Vas-y au pire, je peux essayer. Plan the execution. Ok, c'est la bonne idée. Vas-y, tranquille sur le rez-de-chaussée. Hein. Non, non, mais là je me la joue des MR avec l'arme. Comment elle s'appelle cette arme d'ailleurs? Police! Hands in the air! C'est toi qui as tiré ou c'est eux? Oui, 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 moi, j'ai tué un mec. Ah ouais d'accord, je me suis fait sécher. T'es mort? Ouais. Il m'a séché le mec. Ouais, je vais reprendre la M4 hein. Je vais reprendre la M4 Je vois pas pourquoi t'as changé. Oui. Tu peux pas être une charge. Oh lol. Lol. Tu savais ça? Bah oui, c'est moi comme c'est comme ça que je t'ai tué plein de fois l'autre jour. Oh, j'étais même pas con. Police, get down. Et tu peux le faire au shotgun si tu veux. Appelle une ambulance. Regarde.
Je vais plus vite comme dans Tarkov, on vient de me le dire, ça je savais pas. En faisant quoi? En faisant deux fois R, mais tu drops ton chargeur, donc quand t'appuies sur H, t'en manques un. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, comme dans Ground Branch. Comme dans Tarkov. Comme dans Ground Branch. Et tu peux l'enlever ça aussi, hein. Ah, je bah merci, j'étais pas au courant. Bah, enlève-le parce que là t'y arriverais pas, y'a une cale, bouffon. Elle est dans l'autre sens, la cale. Non mais la porte... Voilà. Ça a du sens. Il manque une batteuse dans le jeu. Merci ma mitraillette pour les 3 mois de frais de scolarité. I'm Groat, 27 mois de frais de scolarité, puis au sein du campus de la Solty Academy, comme en bas de Dio, qui se respecte, qu'on a... Let's go. Est-ce qu'on commencerait pas par le toit tous ensemble, tous les deux? Vas-y. Alright. C'est quoi, on va même faire un autre truc. Vas-y. Tu spawns où? Main entrance? Attends, je suis en train de faire mes armes. On va faire un truc de ouf. Celle-là, c'est la bonne. New meta, mon gars. Je sais pas encore. Moi je suis ready or not. Mais tu spawns où? Main gate? Main gate. Ok, let's go. On monte sur le toit. Regarde-moi à gauche. Ah ouais. Let's go. Eh, t'as des flashs? Lip. Ok. Ça, c'est si artiste avait été tactical. Mais... Attends. Allez. Prends pas de ligne, je te donne les infos à chaque fois, ok? Fais gaffe à cette porte, y'a souvent un mec en face. Ok. Police! Hands in the air! Ouais, y'en a un, tranquille. Tu tires dessus. Tu peux l'avoir, tu vas-y, reload. Vas-y, sur le ping. Nice, let's go. Ah, nickel. Progression. Prends les infos, n'ouvre pas la porte de gauche, laisse-moi les ouvrir. Vas-y, je te laisse faire. Récupération de la première arme. Je peux pas me baisser, est-ce que tu peux la... Parce que je peux pas incliner. Voilà, nice. Laisse-moi regarder mon chargeur. Ok, je vais le... C'est bon, je suis bien. Tu peux ouvrir. Ok, c'est fermé. Fais gaffe à gauche, ça va ouvrir. Okay, j'ai une charge, bouge pas. Tranquille, on a pas besoin, tu peux péter le mec derrière, ça sert à rien. Prends pas de ligne. Prends jamais de ligne sur ce que j'ouvre. Regarde-moi, aide-moi pour mes pieds en revanche, s'il y a du gadget, ok? Prends pas de ligne et je te ping, tu tires, il me défonce la gueule, tu décales, tu le tues quand il reload, ok? Ouverture à droite, rien du tout. Escalier contact, rien du tout. Surping la caméra, tu es. Contact, il arrive. Contacte-moi, il me tire dessus. Vas-y, go! Nice! Recule. Je recule. C'est pas facile de travailler là. C'est pas facile. Je couvre le bac. Je couvre les stairs, ok? En attendant que t'avances. Ok, cette pièce directement à gauche est plutôt clear. Je referme la porte. Cuisine clear, Intel à disposition. On le récupère après. Ok. Bouge pas, fais gaffe. Toujours là. Rien à la porte. Ok, j'ouvre. Contact sur moi. J'arrive. Tranquille, chrono, décale pas trop. Il est là, contact, je vais le trigger. Police, get down on your knees. Police, hands in the air. Police, get down. Il a peut-être fait le tour, fais gaffe. À gauche, je l'entends. Je te laisse avancer. À droite. Nice, info, nice. À droite, rien. Salle des batteries, rien. Je peux pas récupérer l'arme, faut que tu les comptes. Je vais les prendre. Ramasser.
lumière pour moi. Intel a récupéré dans la kitchen. Nice, okay. La fermeture de la porte. Rien à droite, Sion. Y'a rien en face là-bas, je pense pas. Ce qui est bien, c'est que les maps elles changent, des fois t'as des ouais, ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool. Ouais. Et tu récupères l'intel? Je peux pas vraiment avec ce truc là, non. Vas-y, vas-y. Le bouclier m'empêche de lever et de pointer les trucs. Je me demande si tu peux pas switch d'armes. Quoi. Moi, si je peux repasser au pistol. Ça me le fait comment en fait? Tu vas regarder. Il me le met dans le dos, non? Bah, je sais pas. Ouais, tu vois pas les pièges, c'est ce que je disais. Faut vraiment que tu fasses attention à mes pieds et aux pièges. En fait, parce que je peux ouais, pas trop les voir. C'est là dans le dos le bouclier. Ok. C'est bon. Intel récupéré. Ok, au niveau des armes, on est à combien? Je sais pas, j'ai pas compté. Normalement, on a 3 tangos morts, hein, je crois. J'en ai ramassé 2, et sachant que lui, il est pas. Ok, j'ai pas ramassé lui. Ramassé, donc ça fait 3. Ok, je pense qu'on est clear, je vais avancer la main. Ok, je pense que c'est vraiment clear pour le coup. Ok, voilà. Il reste 6 suspects là. Très bien, on monte dans les escaliers. Vas-y. Progression tranquille dans les escaliers, si c'est close, parfois je vais envoyer de la flash. Hein. Bon, ok. Caméra. Nice. Ouverture, 2 suspects en face de moi. Ils vont commencer à tirer peut-être. Tranquille, n'ouvre pas, ils sont trois. J'ouvre pas. Police! Deuxième, le tue, derrière lui, dans la même ligne que lui. Nice. Attention, n'ouvre pas. Je vais devoir aller passer en haut. Garde la ligne. Oh, au-dessus. Tranquille, décale pas. Garde la ligne, je vais clear au-dessus. Derrière la ligne. Je vois plus rien, mon shield est complètement broken. Ok, on va clear le top pour être absolument sûr que personne ne descend. Ouais, mais n'ouvre pas plus de lignes. Non, panique pas, tu m'écoutes. Oui. Il doit y avoir un suspect dans la chambre avec l'otage. Ok, t'es en train de clear le toit? Vas-y, moi je tiens la ligne. Elle est peut-être en dessous de moi, ouais. Ok, viens avec moi, monte sur le toit. Tu vas? C'est moi. Ok, viens voir comment on va faire. Je sais pas si on peut descendre par là. Non, c'est en dessous. Fais gaffe. C'est là qu'il est, le mec. Donc on peut pas y aller, ça va être la merde. À moins que... Je vais le trigger. Reste là. Et... Non, reste là. Descends pas, s'il te plaît. Descends pas. J'ai compris. Et dès que je te le trigger, je te donne les infos. Sur les pings, tu le défonces. Contact devant moi. Il est sur moi. Nice. Ils sont morts. Ok, plus de suspects, on récupère l'otage. J'ai récupéré une ou deux armes. Ok. Fais gaffe aux pièges des portes. Ouais, je sais. Pas trop. Et je rate. Les avancées. Info. Caméra. Je ramasse tes armes. Okay, je désamorcé, deuxième. Je vais ramasser les armes. Je vais ouvrir la porte.
piège sur la porte. J'arrive. Je vais le désamorcer tout seul et je vais flash. Fais gaffe à l'ouverture, passe pas devant. Tu peux pas flash, c'est plus suspect. Ok, piège. Je vais ouvrir cette porte, non ? On ouvre pas, surtout en plein milieu. T'as compris qu'il y avait plus personne, hein ? Oui, mais bon, ça nous... Hein ? Le drill, le boîte de concert, tout ça. Ouais, effectivement. Ok, bah let's go ! Ok, let's go. Alors, au niveau objectif... Ok, c'est bon. Secure the document. Ah, un document, ok, très bien. En attendant, je vais amener le mec à l'extérieur. Ok, je vais chercher le document. Je sais pas où on en est au niveau des armes. Est-ce qu'on a un compteur ? Pour moi, j'ai tout ramassé de ceux que j'ai tués là. Ouais, je peux pas vraiment te dire. On va faire un passage et un repassage. Ok, j'en ai ramassé. Il y en a une là dans les escaliers là. Ouais. Je l'ai. C'est Zero Hour. Vraiment très bien. Vraiment très très bien. Ok, l'otage est sécurisé, il nous reste plus que le document à sécuriser. Ok, j'essaie de le trouver, visiblement il est pas dans la kitchen. Je vais fouiller au rez-de-chaussée. Ok, je vais fouiller au-dessus de la kitchen. J'ai peur que le document soit à un endroit... Ah, attends. Il y a peut-être des... Il y a deux portes en haut, sur le toit. Deux portes auxquelles on peut pas avoir accès parce qu'ils ont mis des trucs pour nous bloquer. Mais peut-être qu'on peut y avoir accès via des balcons extérieurs. Mais j'ai une charge, moi. Ah oui, d'accord, on peut pas y avoir... Ok, d'accord, barricade. Ouais. Donc là, c'est pas le cas. Ça, c'est relou, ça. J'ai aucun document dans le coin. Non, Bangladesh, le studio. Qui a fait le jeu. Ok, je vois rien du tout. Hein. Ah, mais j'ai compris, Secure the Document, à mon avis, c'est juste sortir, je pense. C'est ramener l'Intel, tu penses ? Bah ouais, vu qu'on a pris l'Intel, ouais, mais en clé USB. Et ouais, non, c'est ça. C'est oui, ça, mais tout à l'heure, bah, essayez de faire le truc, mais tout à l'heure, il y a un truc pour nous extraire qui apparaît. Hein. Tout à l'heure, il est pas apparu, là, il n'y a pas la zone d'extraction. Ah ouais ? Bah non, tout à l'heure, elle est apparue, la zone d'extraction, elle était verte. Non, il y a un document à trouver. Ok. Il y a bien un document. Ok, je l'ai. Viens voir à quoi ça ressemble pour les prochaines fois. Ah, je suis passé là en plus. Là. Ok. Vas-y, prends-le. Ok. Et on peut sortir là. Ok, tu vois, c'est nice. Et les armes, on a tout checké, j'espère. Ok. C'était propre là. Hein. Ah, ça aide le feed, hein. Eh, que 80, hein. Que 75. 80 pour moi, poulet. Et moi, j'ai moins 5 unauthorized use force. Bah, moi, 80... Moi, j'aurais dû avoir 80, mais j'ai moins 5 parce que j'ai... Mais il dit pas 0 sur 1, c'est bizarre. Enfin, ouais, il dit 0 sur 1.
logique de temps ou je sais pas. Non, non, non. All arms security. Apparemment, il fallait arrêter au moins une personne. Et on a arrêté personne. Ouais. Peut-être, ouais. Bon, bah, c'est pas mal quand même. C'était propre quand même. Faudrait que j'essaie de voir ce que ça donne d'aller au shield et de leur donner un coup de bouclier. Tu vois ce que je veux dire? C'était quand même propre. Ouais, grave. Mais il faudrait que je vois ce que ça donne d'aller au contact avec et de donner un coup de bouclier, voir s'il drop pas son arme ou un truc comme ça, tu vois. Merci Wastro, nouvel étudiant, bienvenue à toi poulet. Bon, ça nous fait 91, 80, non, c'est des trucs pas mal. Ouais, c'est propre là. On continue ? Yes, ça fait 91, 75. Le prochain, j'ai réussi à faire le 100 dessus en hardcore. Mais je crois qu'il est claqué, hein. La mission, je crois qu'elle est claquée. Genre, je crois qu'il y a personne, il faut buter un mec. Et après, on arrivera à break. Ah, j'ai une demande d'unban un peu de la part de Ryan qui nous dit « Tu peux même me ban définitif. Ce que je pense de ta sale gueule changera jamais. T'es qu'une merde qui se croit mieux que les autres. Vieille merde que tu es. T'es même pas payé, bouffon de modo de merde. Prends des vacances, fils de pute. » A priori, il aime bien le merde. Il aime bien la merde parce que c'est... Ryan. Déjà, tu t'appelles Ryan. Calme-toi, Ryan. Calme-toi, Ryan. Tu t'appelles Ryan. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mon T'as Dieu. Pas eu ton goûter, Ryan ? Alors, la plupart du temps, ils se rendent grâce à la flash. Il faut attendre la fin du temps de stun de la flash pour voir. Ok ? Donc ça, après, en plus, avec le shield et flash, on va pouvoir faire pas mal de trucs, quoi. Et ouais. Du coup, ça va être en mode... Ça va être nickel, parce que ouverture de porte, ils tirent, je vois quand je peux flasher, je flash... Police, get down! Et en gros, toi, t'as pas la ligne sur le mec. Et si on voit vraiment qu'il continue à être hostile, tu décales, bam bam. C'est ça. Et on fait tout le temps ça comme ça, quoi. On utilise après, le shield pour essayer de les calmer. Et s'il continue, tu défonces. Et on est bon. Hein. Après café qui a l'air assez simple. Merci champion nord pour les 4 points d'armes. C'est là où j'étais bloqué. Mais là, comme j'ai débloqué pas mal de points, j'ai débloqué hôtel trouble et ambassade Irene. Mais ça sera pour plus tard. Jamais fait, c'est là. Okay. Moi, c'est Breaking Mad que j'ai fait seulement. Mais celle-là, je crois qu'elle est easy. Hein. Ah ouais ? Ouais, je crois qu'il faut... Oula, bien, tu peux le temps de voir. Bring order to chaos, neutralise Abdul, rescue deux otages et les civils. Et un dossier, a priori. Mais je crois qu'il n'y a pas de mob de mémoire. Je crois qu'il n'y a que Abdul. J'ai réussi le 100% celui-là, donc je pense pas que ce soit compliqué. Ouais. Il y a un bonhomme à tuer, quoi. Bah, je pense, de mes mots. Merci Phoenix pour les deux mois. Goal, deuxième mois, c'est à partir de là qu'on voit les vrais. Merci les poulets. Vas-y. Merci beaucoup de GG, beaucoup de cœur. Vous êtes des monstres, les amis. Merci beaucoup, vraiment. Alright. J'étais en train de regarder l'introduction. Rien à foutre. Ouais, c'est sympa qu'ils se fassent chier à faire des petites cinématiques. Franchement, pour un petit studio, c'est pas dégueulasse. Hein. Je dis ça parce qu'ils font 1m30. Weapon, bah vas-y, je me remets en mode shield. Hein. Vas-y. Main entry, je vais prendre deux flashs du coup, je prends deux flashs avec moi. Vas-y, moi aussi, flash aussi. Hein. Flash, comme ça. On est bon. J'ai pris main entry. Pareil. On verra bien qu'est-ce que ça donne. Plan the execution. Vas-y, let's go. Alright. D'accord. Ok, j'ouvre la porte. Vas-y. Et je prends les infos par une porte ouverte. Je prends l'angle le plus gros. Je vois rien, mais il y a beaucoup de... C'est pas le meilleur des spots à mon avis. Hein. Oh, c'est très ouvert. Ok, une caméra ici. Ouais, il y a que un mec. Hein. Suspect live one. C'est bien ça. Vas-y, bon, on court et on le défonce, non ? Vas-y. Pas besoin de se faire chier au final. Et y'a quoi d'autre à faire, c'est tout ? Et après, trouver le document. Et sécuriser les étages. Vas-y, je me mute. Regarde mes pieds à chaque fois. Du webistone.
les portes, je vois rien du tout. Ah. Il y avait un piège. Il y avait un piège. En fait, c'est un piège. C'est un piège. Qui fait que dès que tu le trigger, ça fait Alt F4 ton jeu. Et voilà, t'es bien quoi. Je suis sur Discord, je peux plus t'entendre, le jeu arrive. Oh, mais quel con. Bah ouais. Et le piège retour bureau, grave. Complètement, putain la vache. Et vraiment cool quand même ce petit jeu là. Donc il y a qu'un un bonhomme à tuer en fait quoi. Ouais, cette mission là, elle est easy. Ok. Let's go. Invité friends. Ok. Mary. Ah, je sais pas pourquoi ça a bugué. C'est break. Ah non, c'est café. Autant pour moi. En hardcore. C'est bon. C'est quand tu veux. Tu m'as invité. Attends, ouais. Bonsoir tout le monde. Salut Sagoura. Salut tout le monde. Vous êtes des monstres. Vas-y. Yes. Let's go. Ok, let's go. Je me mute. Ok. J'ai pris pompe, silencieux mec. Oh non, tu vois ? À la canne à pêche. All right, come get some. Tiens, tu peux y aller. Parfait. Ouvre à droite, c'est clair. Sur mes pieds, rien. Non, c'est bon. Non, rien. Je vois à droite. Ça pleure à droite, la télé peut-être. Attention mes pieds. C'est bon. Si je dis rien, tu peux y aller. Ouais. Ok, j'entends un otage. Ah, moi aussi, je l'ai entendu, il est là-dessus, je pense. J'ouvre à droite. Je te shoot la porte et tu rentres. Je regarde par le trou. Arrête. Qu'est-ce qu'il est con. Arrête. Ah, pardon. It's clear. Attends, derrière toi, t'es gaffe. Caméra. Bien. C'est dehors. On va essayer le rappel. Y'a pas d'escalier ? Si, il doit y avoir un escalier. Bon, rappel, bien. Non, mais escalier avec un bouclier, mec. J'ai aucun impact, moi, autrement.
Il doit y avoir un escalier, non? Pas ici. Enfin, je l'ai. Allons dans les sous-sols. Police, get down on your knees. Bonjour. Bonjour. Il a rigolé. Bonjour. J'ouvre à gauche, fais gaffe. Reste dans l'escalier. Oui. Y'a piège ou pas? Non. Oh, y'a. Ok, c'est une salle cachée. Un peu glauque ici. Hein. Attention, je vais ouvrir en face d'abord. Vas-y. Dis-moi pour le piège. Clear. Waouh. C'est clear, j'ouvre la porte qui est derrière toi. Ok. J'ouvre la porte en face. Je vais tirer dans la lumière. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Ferme dans la lumière derrière toi, fais gaffe à ta tête. Ok, je vois. Attention, une lumière rouge qui vient. Attends, coup de pompe dedans, coup de pompe dedans. Ok. Okay. J'ai raté. Je regarde pas le tronc. Ok, il y a des cadavres. Pas de piège à mes pieds? Non. Caméra au-dessus de toi. Ok. Regarde. Dégueulasse ici. Regarde, suspect. He's dead. Ok, il y a une porte qu'on a pas faite. Ok, j'enlève la canne. Abdoul. Ah, il fallait, ouais. Ramasser son deagle. Ah, je vais. Tu l'as ramassé? Ouais, c'est bon. Ok, bah maintenant il faut trouver les. Les autres étages. Ok. Ok, clear. J'enlève la cale. Ah, l'enculé. Ah, le bâtard! La cale au pompe, on peut la voir. Ça lui fait rien là. Non. Ok. Cale encore. Je sais pas si ça rapporte des points de faire des soirées comme ça. 50%. C'est propre la progression avec le shield, non? Ah, c'est nickel. Avec le shield plus shotgun en plus, c'est bien classe. Hein. Oh mon pote, c'est dégueu. Il faisait quoi le mec? Il y a un cerveau sur le truc là. Il y a des. Oh, c'est immonde ici. Oh mon dieu. Ah, il y a une scie. Oh, mais mon dieu. Mais okay. C'est pas. Mais pourquoi? Je suis choqué. Il y a des nénés. Il a découpé une femme. Faut que tu viennes voir. Artistiquement, il y a le mec, il tient un truc. Attention, il y a des pièges. Je vais en désamorcer. Hein. Hein, je vais en désavancer un deuxième. Ok, deuxième. Viens voir cette salle-là. Il y a une tronçonneuse ici. Viens voir. Ouais, non, mais c'est rien ça. Viens voir. Ah, bah là aussi, c'est pas mal. Non, mais là, c'est rien. Là, c'est bien. Ah, nice. Là, t'as un fiac.
touche, c'est ferme encore. C'est chaud, hein? Ouais, ouais, c'est chaud. Ça date pas d'il y a longtemps, ça. Je pense que c'est un prestataire de service pour McDonald's. Ah, je sais pas. Ça avait un petit crâne. Et là, on prend un ban Twitch. Parce qu'il y avait des nichons. Bah non, c'est intégré au jeu. Merci infiniment, The Jumper, pour les 18 mois de super étudiant du campus. Un monstre. Envoyez plein de GG pour le patron. Le patron des esclaves monteurs du campus de la Salty Academy. Plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Des monstres. Merci beaucoup. Plein de GG, plein de cœur. Alright. Attention au piège, attention au piège, qu'on fasse pas de la merde. Oui, non, je vois. Et récupérons directement les documents. Je monte les escaliers. Ok. Je vais tirer sur une caméra. Ouais, je peux pas récupérer de cassette dans la caméra. Je suis en train de monter. Un fond. Caméra, récalcitrante. Une caméra qui bouge. Je suis en train de monter tout à l'étage là. Ok, j'arrive. Il y a un endroit en travaux. Ok. Je fouille un endroit qui est en travaux a priori. On entend des otages. Ouais, j'en ai un otage. Ah ? J'ai un otage avec moi. Ok, j'en ai un. C'est une petite fille. Non, c'est une dame. C'est une petite dame. Ouais, j'en ai. Elle veut pas me suivre, cette conne. Autorisation de neutraliser l'otage ? Non. Il en faut combien? Allez, 3. Je sais pas si on peut prendre le rappel avec les otages. Pas non plus. Je vais essayer, comme ça on sera fixé. J'essaie de chercher des pièces à conviction. Non, pas. Et bah, je redescends avec l'otage. La sécure dehors, toi ou pas? Non, pas encore. Je fais les portes pour essayer de pas choper un piège quand on pensera qu'il n'y en a plus. J'essaie de choper les. Je me suis perdu. J'essaie de choper les documents aussi. Le nombre de portes, ouais, grave. Ah, c'est mal trouvé. Ah, je kiffe ce jeu. Caméra, tout le monde. Ok. J'ai pas d'intel. Toujours impossible de récupérer une intel. J'ai trouvé un otage. Ici. Ouais, c'était peut-être le mien. Un peu d'avance, je suis blanche. Pourquoi tu marches comme ça, toi? Ouais, là c'est moi ça. C'est pas sorti, quoi. Là c'est le mien. J'ouvre toutes les portes, hein. Laisse les portes ouvertes. Ah, c'est bon. Bah, je vais le ramener dehors, l'autre tour du cul là. Ok. Je vais pas venir. Passer par là, non? Je peux pas lui mettre les menottes. Pourquoi il a des menottes et moi il a pas de menottes? Non, mais je peux pas sortir par ici, putain. Non, faut descendre par l'escalier. Encore, alors,
Escalier ici. Non, ici, poulet. Okay. Après l'exit, je sais pas où il est. Hein. C'est où l'extraction? Il arrive le tout. L'extraction est où? J'ai perdu mon otage. Ah, j'ai perdu le mien, c'est bon. Non, non, c'est bon, je vais. Mais c'est dehors, faut juste les amener dehors. À deux, Mary. Mary! Elle est buggée cette fois. Il m'entend pas? Mary, tu m'entends? Pourquoi il m'entend pas? Ils peuvent être à plusieurs pour te suivre, les otages. Ok. Mais il faut les emmener où? Mary, tu m'entends pas? 1, 2. Vas-y, ramène-le. Je peux pas en fait. Mary! Là? Ok. Vas-y, tu m'entends ou pas? Hey, pourquoi tu me réponds pas in-game? Bah je fais que ça de parler là, mec. Tu m'entends là? Je crois que la radio in-game elle a pété. Hein. Bah si, je parle. Bah moi vas-y. Je t'entends. Bah je sais pas. Ah, je vas-y, pas on parle. Ouais. Vas-y, ramène-le. Mais je ramène qui en fait? Parce que moi, faut les amener que dehors en fait? Lequel il est où? Ouais, ouais. Ah bah. Et c'est quoi qu'on peut faire sur toi en fait? C'est quoi quand en faisant ça on fait quoi? Bah on sécurise les otages. Non mais quand, toi sur moi je peux faire presse F. Non ah, c'est pas vraiment ça, c'est l'otage. À droite. Et... Si regarde bouge pas. Regarde bouge pas. Ah si. Go. T'entends ça? Tu peux faire F sur moi. C'est une petite tape sur l'épaule. Hein? Quoi? Oui, oui, je t'entends. Mais parle pas. Oui, je t'entends. Tu m'entends? Parle sur le jeu là. C'est lui qui a des problèmes a priori. Vas-y, reste. Ah bah tiens, viens là, toi. Mais le jeu est claqué là, il y a un problème. Hein. On est sur Discord là, tu m'entends sur Discord? Oui, je t'entends sur d'accord, Discord. D'accord, en fait, tu me répondais in-game alors que c'était il y a 10 minutes que je t'ai envoyé ce message là in-game en disant t'es là, ouais, mais. Moi aussi, là, j'ai eu un message de toi qui a déboulé. Ouais, ça faisait, bah d'accord, bon bah alors tu on me prend réponds, Discord. Ouais. D'accord, et là je suis en train de te dire, tu peux faire F sur moi là, en fait. Ouais, j'ai vu. Ça fait une petite tape sur l'épaule. Par contre, j'ai un bug. Ouais, mais moi aussi, je peux pas. Moi, c'est un bonhomme là, c'était le mien qui était en bas. Ouais, et bah lui, je peux plus le. Et le elle, bouger, moi, là. C'est une meuf là. Ouais, pareil, là, c'est une meuf, mais je peux pas la prendre. Ok. Et bah, on va chercher le dernier, on va voir. Hein. Ça se trouve, elle est considérée comme dehors. Ouais, au final. peut-être. Je sais pas. Il est où le dernier? Je sais pas. J'ai fouillé l'étage que tu fouilles, je vais tout en haut moi. Tout en haut? Bah c'est toi qui vas l'avoir je pense. Mais l'intel je l'ai pas récupéré par exemple hein. Et tu m'entends là? Mais stop, on va pas utiliser non, in-game. Non, viens. Hein? On va pas parler in-game, on a vu que c'était des 5. Mais je te parle pas in-game là, qu'est-ce que tu racontes? Oh le quiproquo. Là dans sur le jeu tu viens de faire tu m'entends là? Ouais bah c'est bah tout à l'heure moi ça m'a fait ça. Ça ouais. M'a fait en fait mais en plus c'était en boucle hein. Bah oui, enfin, je sais, parce que bah du coup tu me répondais pas. Et tu me répondais oui, pas, c'était relou. Ah ouais, tu me dis. Viens. Et là, t'es en train de me dire viens, alors que sur Discord. Oh putain, j'ai l'impression de péter un câble. Ok. Donc, du coup. Ah, la grosse D5, mon gars. 6-4. Allo. Y'a rien à l'étage, là. C'est trop drôle. Là, dans le jeu, t'es en train de me faire 6-4. Allo. Mais ça date, ça, le. Mais oui, c'était il y a au moins 5 minutes, mon gars. Les bots sont D5, c'est mort, apparemment. Comment ça, c'est mort? Comme quoi, elle était vraiment D5, hein. Vas-y, putain, nique ta mère ouais, non, tu m'entends, là, maintenant? Tu m'entends? Quel enculé.
Ah là, je t'entends bien, là. Ah, mais là, ça marche, du coup. Ouais. Oh, c'est ridicule. Donc, c'est les potes qui nous faisaient des 5, vas-y, meurs. Enfin, restart. Ah, surtout qu'elle est chiante, cette mission, ouais. Bah, surtout qu'on peut la faire rapidement, quoi, je pense. Ouais, on la rush. Comment je fais? Bah, vas-y, retourne menu. La partie était les 5, c'est du troll, c'est pas possible, il y a deux mairies en fait. Non mais ça lui faisait pareil de son côté en fait, c'est ça qui est marrant. Ça lui faisait exactement pareil. Envie de me faire. Ah, oh, j'aurais dû faire un restart. Par un... C'est quoi, c'est Hotel Trouble? C'est lequel? Non, c'était pas celle-là. Ouais. C'est quoi comme truc? C'est Breaking Meth ou Hotel Trouble? Non, c'est Breaking Meth. Hein. Non, Breaking Meth, c'est la mission d'avant coup faire. Ah, c'est café? Ah merde, ok. Oui, mon petit monsieur. Attends, faut que tu me réinvites. Ah oui, d'accord. Because I love the game, dude. I love the game, dude. Ok, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je commence à avoir faim. Ah, je vois ça. Hein. Je vais prendre du sucre. Je vais chercher un chichi sucre. La partie était des 5. Ouais, bah, je crois, ouais. Mec, c'était n'importe quoi. Je lui parlais, il me répondait pas, cet enculé. Non mais après je te trollais, hein. Les trucs que t'entendais après c'était moi qui te le faisais. Le hola hola hola, tout ça c'était du direct. Hein. Ah bon? Oui. Je te trollais. Quel enculé. Ah, t'es là à faire... ah mais c'est trop marrant parce que là je t'entends, viens 6-4. Quel enculé putain. Vas-y, hardcore, nanana, start squad, ok. Alright, ça lance le truc. Voilà, j'arrive dans 2 secondes. Ok, je vais voir l'étage. J'arrive. Bien, voilà, c'est bien. Voilà. Bien, mais tu fais quoi avec l'otage? Ah, c'est de l'humour. Shilpo Ashuleki. Shilpo Hoche Manusher Creative Skill are Kolponar Ekdhoroner Prokash. Arami Shetai Kori. Ami Ashule Nijeke Ekjon Onnorokom Manushi Shabeteki. Tomar Theke Alada. সবার থেকেই আলাদা অন্য সবাই যা করে ওইটা আমি কেন করব তাই না মজাটা কোথায় তাহলে দেখো আমি যেটা করি ওইটাই সে C'est quoi? J'y vais aux pompes, j'y vais avec des armes YOLO. J'y vais avec le Flooded Off. Mais pourquoi tu veux... Là tu pètes un cap parce que t'as pas mangé. Aïe, il peut plus être dans le sérieux. Mais ta gueule, c'est que la mission, on va la torcher en 2 secondes, elle est... Mais non, justement, c'est parce qu'on pense qu'on va la torcher en 2 secondes, qu'on va faire de la merde et qu'on va pas la torcher en 2 secondes. Mais y'a qu'un seul mec à buter. Et alors? T'as vu ce qu'il a fait? Il nous a fait une John Wick. Heureusement que j'avais mon shield, mon gars. Moi, il a rien fait du tout. Il a fait un 360 noscope et tout. Mais il allait rien faire, t'inquiète, laisse-moi gérer, je vais... Allez, trouve la solution. Plan the execution. Ah, nickel, l'exécution. Attends, mon pote, tu pars la chasse, je te le dis. Le premier qui le tue. Police, on your knees. Où est-ce que vous êtes? Abdul! Police! Hands up! Ok, j'ai les serres, je vais voir aux serres chercher les otages. Bonne nuit! Il peut être n'importe où, le mec, après c'est aléatoire, j'imagine. J'ai un otage. Bravo. Je l'amène tout de suite dehors. Il marche ou pas? Ça marche? Ah oui, il est avec moi, il me suit. Il est évacué. Ok, je suis en train de faire
passage, en bas. Du coup, je remonte tout. Et lui rigole pour... Abdoul rigole. Tue-le. Tue Abdoul. Il est en face de moi, Abdoul. Vas-y, tue-le. Police! Guns down! Police! On your knees! Police! Get down on your knees! Abdoul is down! I repeat, the suspect is down! J'ai entendu un... Suspect is down and underground, and we got an hostage situation here in an elf man and... Oh my god. Oh, we got... Ok, y'a un mec. Mort. What? Non, sérieux? Ouais. Non, mais sérieusement? Oui. Mais comment c'est possible? Tu m'as dit qu'il y était un seul bonhomme. Ouais, j'ai croisé un mec avec un AK. Non, je déconne. Le pire, c'est. Imagine, tu pars en mission OP avec un mec comme ça. Bonjour. Ah, c'est con en fait. Il nous manque deux otages a priori. J'en ai un là. J'ai pas d'otage ici. T'as été tout au rez-de-chaussée? Je viens de le tuer, j'étais au sous-sol, j'ai pas encore fait tout le sous-sol. Ouais, moi j'ai fait les étages, j'ai rien aux étages, je fais le rez-de-chaussée là. Police, on your knees. Ouais, oui, je cassais une caméra. On va avoir le deuxième otage qui va être dehors. Ok, c'est bon. Deuxième otage safe. Je vais continuer de faire le underground. Fais gaffe aux trappes. Ouais, je sais, t'inquiète. J'en ai pas pris. Là. Je vois pas d'étage au rez-de-chaussée. Ah non, on a évacué tout le monde. Il faut juste qu'on sécure le Descripted Folder. Bah, c'est le truc rouge, je crois. Bah, ouais. Bah, s'ils ont repris le même truc que l'autre, c'est le truc rouge là, je pense. Hein. Main, M-I-N, principal, chambre principale. Main door, main room, main... C'est glauque, hein. Ah, j'arrive pas à trouver l'intel. Dans les prisons. Elle est morte. Oh la vache, la dégueulasserie du truc. T'as pas trouvé l'intel? Je cherche. Mais t'es au même étage que moi, je suis capable de le faire tout seul, hein. Ouais, je fais le... Non mais dans ça t'écoutes et j'ai entendu que j'étais là en train de chercher. Ouais mais je sais pas, enculé. Pas mal le Deagle. Je sais pas où c'est. Hein. Je serais juste dans les lumières. Après, j'avoue, on aurait pu l'arrêter le mec. Tu l'as flashé ou pas? Il a tiré, je l'ai flashé, je lui ai dit get down. Et après j'ai pas attendu qu'il soit effectivement destun pour lui en coller une bastos quoi. Mec il a qu'à lâcher son arme un peu. Ouais, il a mais je pense qu'il faudra attendre la fin du stun en fait effectivement pour être sûr et certain.
Tu vois, cette mission là, je pense qu'on peut l'avoir à 100% avec la neutralisation. Ouais, c'est possible. Non, on peut couper l'électricité ici aussi. Ah bah coupe pas parce que là je cherche. Ah, y'a deux escaliers au final. Non, je l'ai, il était passé à côté, putain, t'as vraiment une merde. Putain, mais ouais, je suis débile. Okay. Ah, j'ai hésité à te tirer dans le dos, mais bon, j'ai pas envie de décrocher. Du coup, on est bon? Let's go? Ouais, on s'arrache, on s'arrache. Ouais, c'est bon. Peut-être pas par là. Pourquoi? Parce que c'est le sous-sol, là, non? Allez. Ah, si, par là, regarde. C'est marrant, mais les extérieurs sont plus beaux que les intérieurs de la maison, c'est ça qui est relou, je trouve. Ouais, ouais. All enemies have been neutralized. Les ennemis sont neutralisés. Nice! America, 100%, yeah! Oh yeah. Ah, parfait, hein? La prochaine, c'est là où je me suis stoppé. Et là, elle va être coton. Elle est dure? Oh, nice, ça me fait plaisir. Ah, elle va être coton. Et merci évidemment au Vora Gamer qui, en plus d'avoir offert 89 droits de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Il pète totalement un coup aujourd'hui, il pète un câble, pardon, il pète un coup sur moi aussi peut-être, mais il pète un câble. Hein, il a offert plus de 100 abonnements aujourd'hui sur le campus de cette Salty Academy. Donc envoyez plein de GG, envoyez plein de petits cœurs s'il vous plaît. Alors, en même temps c'est point d'exclamation S-U-B-T-E-M-B-E-R. En ce moment les droits de scolarité, les frais d'inscription au campus de la Salty Academy sont pas chers du tout. N'oubliez pas de faire point d'exclamation Y-T aussi, spammez-moi la chaîne YouTube, abonnez-vous. Et envoyez-moi plein de GG et de putain de cœurs pour Overa Gamer qui vous a régalé toute la journée le... monstre. T'es là, right? Le putain de monstre. Vraiment, merci Poulet, ça me touche énormément. Vraiment, 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 ce ultimate allô backer. Je suis là. Ben, réponds quand on te parle. Café, c'est bon. Breaking Math. Hardcore. Starting Squad. Le monstre. Let's go. Donc celle-là, tu l'as... Foster 2 moving to the assigned location. Approaching checkpoint. Je l'ai essayé et elle est chaude. C'est celle que j'ai fait pendant 2 heures tout à l'heure et maximum 20 points. Non, t'es sérieux? Ah, c'est cool. Oui. Elle est hardcore. Il y a 41 otages à peu près. Elle est hardcore jusqu'à la mort? Ni de France, ni d'Amérique. La puissance vient d'Afrique. Et c'est du hardcore. Du hardcore. Let's go, start. Au moins, il est mieux optimisé que Brown Branch. Hein. On a plus de 13 FPS. Ouais. Et ça rajoute un mais petit truc côté radio. D'ailleurs, à ce qui paraît, il y a un petit... c'est pour ça que je l'ai réinstallé. J'aimerais tester. À ce qui paraît, c'est un peu mieux. Weapon. Bon, là, cool. Je prends pas de risque. J'ai, on prend la M4. Eh, nique sa mère. Hein. Je pars, tu prends M4, poulet. Et moi, je prends le shield. Hein. Je me mets en mode support. Hein. Ouais, on fait les choses ça proprement. Let's go. Flash. Et je prends le... Ça me dérange pas de pas faire de kill. Let's go. Weapon, hop là, il y est. Ah ouais, c'est grand. Allez. Alright, let's go. Allez, this one. Which one? Laquelle? Backyard. I repeat, backyard. Alright. J'ai pas de lumière sur mon shield, c'est un peu relou. Ok, I have lumière. Ok, donc je connais un petit peu le coin. Alors viens de mon côté. Tu vas passer là, il pourrait y avoir un contact. Fais gaffe. Ouais, t'inquiète. En face de toi, il pourrait y avoir du contact. Dans ces portes là, ok. Salut. Ici. N'ouvre pas, il y a un contact au-dessus. Police! Hands! T'as été déco, non, poulet? Ça m'a déco total, moi. Ah, merde. Ça non, m'a fait un... Ok, très bien. J'irai plus... C'est bon, je me souviens. Je l'ai déjà vu, cette mission, en intro, une fois. Breaking Mess, Hardcore, Mariella, let's go. Ouais, ça m'a fait... Là, tout à l'heure, ça m'a fait un Alt-F4 du jeu, et là, ça m'a fait un Disconnected. Foster 2 moving to the assigned location. Approaching checkpoint. Ouh.
Les intros et le bruit des armes sont très forts quand même. Comme dans la réalité, j'ai envie de tenir. Un grave. We are going to go there! Non. Bah voilà. Allez. Je sais pas pourquoi moi les cinématiques s'accadent. You're a monster. Très bizarre. 120 subs, OMG. Il a fait 120 subs aujourd'hui. Les cinématiques. Of our gamer, the monster. But because it is the September, alright? Point d'exclamation September, alright? En ce moment, c'est pas très cher. De devenir un étudiant du campus de la Salty Academy. Alright. Bon, tu la lances ta game là. Ferme, mais tu la fermes ta gueule. Mais non, mais tu prends 100 ans. Bah désolé, je remercie mes gueule, étudiants, mon culé. Ouais, bah tant mieux de t'en avoir. Là, 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 non, side alley, side alley, side alley, side alley. Okay, side alley, side alley. Okay, side alley. Okay, got it. Side alley. I got it. It's like on the side and it's an alley. It's side alley. Fuck! Okay, même problème. Ça m'a fait la même chose. Instant. Je vais Alt F4 le jeu, je vais le relancer. Je sais pas pourquoi. Ouais, je relance le jeu pour lâcher sur Discord. C'est assez marrant. Le patch du jeu, c'est le 911. Ok. Ouais, voilà. Tac, 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 tac. Tu vois, déjà 10 heures de jeu. Hein. Il est vraiment cool comme jeu. Du coup, on est bon. Scroll to top. J'ai mis une petite commentaire positif parce que c'était vraiment très bien au final. Le jeu est vraiment cool. Du coup, bam. Et je le relance. Bah, je sais pas, poulet. Ça m'a refait la même chose, donc j'ai coupé le jeu et j'ai relancé. Nice game. Ouais, tranquille les mecs, c'est 4 gars, perdus au Bangladesh qui ont fait bah ça. Bah ouais, donc, et qui font déjà mieux que des triple V, Z, BH quoi. Ah ouais, t'as vraiment besoin de manger toi. Ouais. Merci Adrien pour les 2 mois de préscolarité. D'ailleurs, je vais m'en griller une. Merci pour Adrien, c'est un monstre poulet. Ça va me décontracter le sphincter. Ouais, ok, tu grilles du poppers ou comment ça se passe? Waouh! Moi, je me sens beaucoup mieux. J'arrive à respirer par la bouche, dilaté. Par le nez et par le fion. Mais si tu prends du popper, c'est alors que t'as la chiasse. Bah, t'es dans la merde, littéralement, je veux dire. Non, mais vraiment, si ton sphincter est dilaté, t'as plus le moyen de retenir quelconque substance anale. Tu aurais dans ton anus. Donc en fait, tu prends du poppers, mon pote, c'est un peu les portes ouvertes, quoi. Visite gratuite. Hein ? Direction open bar. Hein ? On va là où il y a la lumière. On file. La gravité fait son travail. Évasion en cours. Ouais. C'est particulier. Hein. Tu m'invites ? C'est fait. Ok. Bip bip. Bon, je suis à la fenêtre, je fumax. Ouais. Je vais fumax, mon pote, avant que la vie me fumax. Oh, je déteste cette expression. Breaking Math, Hardcore. J'espère que ça va pas faire le même bug, autrement, il faudra lancer une autre. Hein. Bah, autrement. Ouais, parce que ça lance, ça le fait, et après, dès que. Foster 2 moving to the assigned location. T'as un problème. Oui, je pense. C'est quoi le fauve que j'ai mis? Je attends, sais lance pas tout de suite. Lance pas tout de suite, hein, je fume. Hein. 83, je fume. Donc là, si tu veux chanter, parler, c'est bon. Ouais, mais comme j'avance avec le shield et qu'il n'y a pas de logique de temps, je peux y aller en mode. Bah, si, il y a une logique de temps, il y en a AFK. Quoi? Si tu bouges pas, il y a un AFK. Mais tu étais à côté de ta souris, mon gars. Eh, hey, mon gars, tu vas mettre de l'huile, ne serait-ce que de l'huile de coco, mon gars. Tu vas mettre de l'huile d'olive dans ta merde là. Bah ouais, bah c'est ridicule ce bruit là, ça fait ça remonte dans le micro. Bah j'y peux rien, c'est toi si. Qui fais ça. Ah si, ah bah si, tu peux quelque chose.
Alors ça, cette expression ne passe pas là. Non, là j'y peux vraiment rien. Utility flash, location main, main gate. Non, t'avais dit side alley, il avait dit blam. Weapon modify. Bam. Plan the execution. Merde. Chier, j'ai pas mis de flash. Ah, j'ai pas de flash. Alright. Je me mute. Alright, going in. Just arrive on the allegedly meth lab. And pushing forward to the side, eh? J'adore ce petit bruit de micro. Oh, c'est trop bon. Merci Lulu. Merci Lulu 33 56 544. Nouvel étudiant du campus de cette Saltier Academy, bienvenue. Merci à vous tous de faire en sorte que la Saltier Academy aille to the fucking top et reste là en 2022. Vous êtes des putains de monstres. Merci beaucoup. Non, vraiment, je le dis avec un peu d'ironie, mais ça me touche énormément. Vraiment, vous êtes des putains de monstres. Merci Adrien aussi. Envoyez plein de GG, plein de cœur et bienvenue. Et n'oubliez pas, pour l'exclamation September, les frais de scolarité sont moins chers en ce moment. Alright, let's get it. Il est mieux d'attaquer par là. Police! On your knees! Police! Police! Get down on your knees! Police! Guns down! Police, hands up! Ainda mostre esta lá. Guys, I don't understand your language. Police! Guns down! Police! Hands in the air! Police! Heads up! Police! Get down on your knees! Police! Get down! Ok, let's go. T'es toujours en vie ? Ouais, je suis en train de travailler tranquille en bas. Et j'en ai tué 3 ou 4 et j'en ai arrêté 2. Le chef, c'est parfait, poulet.
Bayaster. Tu peux me pinguer là où t'es? Ah ouais, si, je te vois. Bye, Gulugren, bye, bye. Bye, Maren, bye, bye. J'arrive. Bye, Maren, bye. Bye, Gulugren, bye. Bye, Maren, bye, bye. Mais tu viens de tuer un mec, c'est unautorisé? Bah ouais, mais ce bâtard, en fait, il avait les mains levées, il a commencé à bouger son arme sur moi, et pff, c'est débile le truc. Ok, mais viens avec moi, tu verras, ça va bien se passer. Vas-y, on couche, bah t'as fait de la merde. Putain, j'étais en train de travailler comme un enculé. Mort. T'es mort? Ouais, mort, mort. Viens avec moi poulet. Vraiment mieux de commencer par où je commence. Le début là est un peu compliqué en fait, parce que ça ouvre sur le côté et c'est pas simple. Alors que si on va travailler directement dans les sous-sols, on est pas mal. Ok. Et vraiment on peut, tu vas voir, c'est une progression assez compliquée, mais c'est assez propre parce qu'on peut balancer de la flash et des petits couloirs. On flash. Moi ce que je faisais, je commençais par le sous-sol. Ok. Et tout à l'heure, tu vois, j'ai pas arrêté de balancer du police, et il y en a deux qui se sont rendus en fait. Avec des flashs, voilà quoi. Donc envoie de la flash pour les balancer par-dessus mon épaule. T'en penses quoi du jeu? Hey, je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux. Coopération, difficulté, réalisme. Ça me parle. Let's go, guys. Tu peux y aller à la MP5. Ouais, si tu veux. Ouais, je pense pas mal. Mais surtout flash, hein. Balance-moi de la, deux flashs, comme ça on en a quatre. Et on est bien. Ok, let's go. Mets-toi sur main gate, je crois. Non, c'était backyard van. Backyard van, peut-être. Oh, je sais plus. Ok, j'ai pris backyard van. Non, attends. Attends, où est-ce que c'était? Attends, je vais essayer de réfléchir. Je l'ai vu où c'était. Non, c'était là qu'il faut aller. Donc c'est side entrance. Ok. Là, il allait. Bah, je sais pas comment c'est, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais, side allait, ouais. Pas très bien fait leur truc, n'empêche. Ok. Là, c'est la win instant, hein. Si on y va lentement, autrement, on va recommencer 12 000 fois. Ok. Donc déjà, là, je vais faire mon Blackbird aux fenêtres, ok. Puis je vais les laisser tirer, tu vas décaler, tranquille, ok. Là, baisse-toi, ne te monte pas aux fenêtres. Tranquille, je vais aller clear au je fond sais, avant. Je sais. Ok, j'en ai un sur moi. Police, on your knees. Il va me pusher. Non, tranquille, je vais le flasher. Police, il est en bas, tu peux prendre la ligne sur lui. Police, get down on your knees. Nice. Il y en a un autre contact à droite. Contact à droite. Je vais flasher. Garde tes flashs. Non, parce qu'il y en a plein, regarde. J'en ai flashé au moins 4. Je suis blanc aussi. Il y en a un contact à droite. Ne pousse pas derrière moi. Il y en a un qui vient de baisser son arme. Tire pas. Il a les mains sur la tête. On va travailler dans ce petit truc. Remonte dans les escaliers. C'est juste au cas où ça me push, moi. Moi, j'essaie de les trigger, ok? Je peux pas trop avancer. Genre, on en a déjà deux qui se sont rendus. Ok. Trois qui se sont rendus. Tranquille, regarde à gauche, grand couloir. Okay, prends cette ligne. Voilà, bouge plus. Ne bouge pas la iota, please. Ça court. Je
suis en train de menotter quelqu'un. Ok, je me note. Ramasse son arme. T'as combien d'armes pour le moment? Une seule. Ok, ça fait deux en tout. Trois en tout. Et fais-les parler une fois que tu les as machinés. Comment? Tu te mets en face d'eux, tu fais F. Fais-le plusieurs fois. Mais pourquoi ça fait quoi? Je sais pas, je crois qu'il te donne des infos, des trucs. Vas-y, ouais, c'est pas grave. Ok, je vais pousser dans le truc au-dessus de toi. Casse-moi la lampe là. Et la caméra. La lampe. Ouverture à droite, gauche, c'est un peu compliqué. En face. Il m'a allumé. Il m'a... Désolé, poulet. Bien joué en tout cas. Dans le bac. J'y vais, je vais prendre des infos. Non, négatif. Viens avec moi ici. Ok, reste là. Avance un peu pour pas avoir la ligne à gauche. Et je vais t'ouvrir la porte en face, fais gaffe. Ok, j'enlève le hold. Ok. 25%. 50%. 75%. J'ai enlevé. De toute façon, ça court derrière. Je vais prendre des infos. Bouge pas. Ouverture porte. Ok, pas de contact, je vais progresser. Un sur moi, deux sur moi, tu peux venir. Fais gaffe, tranquille. Police, get down. Police, vas-y, défonce-le. Dans l'escalier. Ici. Attention, peut-être dans l'escalier à gauche aussi. J'ouvre mon angle, bouge pas. Non, y'a rien. On va monter dans l'escalier. Il descend. Il descend son arme, il a lâché son arme. Police, on your knees. Police, ça me doit pas, ça va. J'ai mis une balle, mais ça va pas compter. Non, c'est parfait. Ne bouge pas, c'est très compliqué de venir gérer là. Je reload, je regarde mes munitions. Reload, récupère l'arme. Ok, je reload. Menotage en cours. Vas-y. Bye, Marina. Bonne de merde, elle faisait chier. Ok, il est interrogé trois fois. J'ouvre. Attention, parce que l'escalier, c'est compliqué. En contact en face de moi, shotgun. Ici, attention. Tête sur... légèrement... gauche, 2-2. J'avance un peu. Deux, tu peux les avoir. Et deux. Le deuxième. Nice. Je vais ouvrir au-dessus. Prends toujours la ligne, le couloir est plus couvert. J'ouvre sur un escalier avec un étage ennemi en face de moi. Il est sur ping. Police, get down. Il veut pas se rendre, tu peux y aller. Nice. J'ouvre au-dessus. Non, n'ouvre pas. Recule un peu dans l'escalier, prends pas de risque. Je monte dans l'escalier. D'abord l'escalier. Et ensuite on voit. Ok, clear en haut de l'escalier. Fais gaffe au piège. Essaye de faire au mieux. Clear, contact sur moi. Mort. Joué. Sur l'extérieur, c'est très ouvert ici. Je récupère son arme. Sans toi. Je recule. Oui, vas-y, recule. On les fera plus tard. Get down on your knees. Police. Ok, on s'arrache. Laisse-les sur le toit, ils sont pas emmerdants. Ouais, on les laisse. Je vais redescendre dans l'escalier. En contact, un mètre devant moi. Nice. Deux contacts.
contact, double contact, ouverture à gauche, 90, après le... Après le... 90 à gauche. On peut y aller. Décale dans le couloir, décale dans le couloir. Deuxième, deuxième, même endroit. Avance, le souffle. Touche-le. Ok. Deuxième, 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 il s'est rendu. Police, get down. J'ouvre à gauche. Il y en a un autre derrière. Possible. Très compliqué, non. Lumière. Je flash. Police, get down on your knees. Contact sur moi. Police, hands up. Derrière le mur, décale pas. Décale pas, décale pas. Je te dis quand décaler. Maintenant. Nice. Arme récupérée, c'est très compliqué de bosser ici. Reload, prends ton temps. Je Y'a un mec. Mort. Contact dehors, ici. Attends, reviens un peu. Ok, très bien. Reviens. Police, on your knees. Mort. Bien joué. Deuxième, même je endroit. Me le mec. Je me note un mec là. Police, get down on your knees. Je bouge pas. Il est à peu près aux alentours du ping, donc retiens-le. Reload. Je reviens vers toi. Récupération d'une arme. Ouais, j'ai récupéré lui là. Récupération d'une arme. Attention, sur le balcon extérieur, grand balcon extérieur, il y avait du monde. Et j'ai 35 HP. Il y a une arme ici, je la ramasse. Ok. Escalier de là où on vient. Il reste 28 mecs. Ok. T'es avec moi ? Là. Ok. Tout à l'heure, ouverture 90 là, ouverture 90, à 60 mètres devant, en bas de l'escalier, il y avait un mec. Là où il y a le cadavre, il y avait un mec. Bien pris, c'est bon ? Ouais. Ok, j'avance, je vais essayer le trigger. Attention à ma gauche. Ne sors pas. J'avance. Je l'entends. Le passant de la porte est ici. Ok. Il va sortir peut-être devant moi. 2, 3, flash. Ok, tranquille. Flash. J'arrive. Police, get down! Ça va pousser? Police! Bon coup à terre, attention, tire, décale pas! T'inquiète pas. Ils sont 5, il y en a 2 qui se sont rendus. Ça se rend, décale pas. Tranquille. Ça tire derrière, non? Tu tires derrière, mec, hein? Est-ce qu'il est mort au-dessus? Voilà. J'ai pas de visu sur lui. Moi non plus. Rentre avec les mecs. Tu peux te mettre là. Contact à gauche, vas-y, va te mettre. Bertalactasi! Lagi bhai! Bhaiya, kana dorsi eshob korun na, chhara den. Bhai, guli koren na bhai. Okay. Bhai, maaf kore den na. Ei kutta. Contact sur moi ici. Top escalier. Police. Je suis mort. Dommage. Ça, c'est les 10 HP là qui me mettent dedans. Ouais, moi aussi.
Il était là tout à l'heure, je crois. Police! Get down! One second! All friendly systems neutralized. Merci Marty, pour les 11 mois à terre, monstre, merci. Ezio Amix, nouvel étudiant. Non, ça fait 6 mois que tu payes tes routes scolaires et tout sur les campus de cette Soulty Academy. I'm a tactical tonight. Yeah. Ouais, vraiment cool, hein, franchement. Hein. Cette mission, elle me fait kiffer, mec. Hein. Ah, mais celle-là, elle est dure. Hein. Ah, elle est bien. Je la tentais solo, elle était chaud, non ? Et là, mais là, c'était pas mal. Le shield, c'est chambé, là. Hein. Mais là, c'était l'ouverture sur le balcon, alors qu'on n'avait pas... Enfin, c'est dur, quoi, de ne pas avoir de vision de comment c'est. Donc, on avance sur un balcon, et à l'extérieur, on ne sait même pas si on peut se faire niquer d'une autre plateforme de l'extérieur. On était là comme des lapins, quoi, sérieux. Vraiment pas simple, pour le coup. Vraiment pas simple. On peut retenter une dernière fois, poulet. Après, faut que j'aille. Faut que tu vas où ? Faut que je décolle. Où ça ? Dans ton cul, avec ta mère. Allez, let's go. Tu m'en as jamais parlé, ça ? Tu m'avais jamais dit qu'il décollait dans le cul de ma mère. On peut la faire. Mais faut pas trop, hein, tranquille. Mes dernières. Mary ? Arrête. J'attends que tu lances ? Non, il n'y avait pas le bouton start. Ok, donc passer par l'extérieur. Non, c'était bien là, hein. C'était bien, tu suivais bien et tout, c'était parfait. Et tu mettais bien les bonnes têtes au bon moment là, hein. C'était nickel. Du coup, ça aide à aller. Et flash encore. Ouais. Et je te laisserai les balancer les premières. Je te ferai des pings pour balancer les plus simples et moi des plus tricky pour que tu puisses pusher derrière. N'oublie pas les lampes et tout. Ok, je suis good. Let's go. La petite MP5 qui a fait le taf là. MP5 ou MP7 ? C'est une MP5. Oh non, ça découvre. Déco comme tout à l'heure. Ça a déco. Ah, j'espère que ça a arrêté ce truc de merde là. Breakmans, nanana, hardcore. J'espère que je vais pas devoir faire Alt F4. Tac, 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 Star Squad. De toute façon, ça va péter les oreilles, les amis. Ah non. Oscar 2 moving to the. Alright. Il est vraiment bien. Hein. Vraiment bien ce petit jeu au final. Harry, je suis là, hein, je suis sur Discord du coup. Ça a bugué. Ouais, je rejoins. Ok. Non, il est bien. Et en plus, le jeu est quand même bien optimisé quoi. Ça manque un peu, c'est un peu pauvre sur les textures. Tu vois ? Ouais, et puis même d'un point de vue technique, des fois tu bloques sur des petits trucs, il y a une petite inertie et tout, mais bon, c'est pas grand chose. C'est quand même très agréable à prendre en main. Ouais. Et c'est là que tu te dis, putain, t'aimerais bien... Bon, après, c'est pas pour autant que ça va faire un bon jeu, hein, mais t'aimerais bien que les mecs de Grand Branch se mettent avec eux, tu sais. Ouais, non, mais oui. Clairement. Qu'ils prennent les bonnes idées de l'un et de l'autre, quoi. Voilà, quoi. Mais Grand Branch, j'ai l'impression que les mecs sont un peu en mode... Un peu comme les gars de DayZ, tu vois. Sont un peu en mode... Ou un peu comme les mecs de Tarkov, quoi. Non, mais j'ai cru voir sur Steam qu'il y a des nouveautés, hein. Oui. Mais je crois qu'ils veulent pas... Ils veulent pas forcément faire un truc mainstream et tout. Nous, par exemple, on leur a demandé de faire une compétition. Donc moi, je leur ai parlé aux mecs. Et ils nous ont dit, ouais, non, on veut pas avoir ce côté compétitif et tout. Je leur ai dit, ouais, mais c'est pas une vraie compétition. On n'a pas dit qu'on allait faire de l'e-sport sur le jeu. Ouais, mais non. Je fais, bon, bah d'accord. Alors que bon, bah je voulais faire un truc à l'époque où Snaku était dessus, à l'époque où B-Boy était dessus, toi, t'étais dessus, moi, j'étais dessus. Je me suis dit, on pourrait faire un truc sympa, tu vois. Et voilà, ils nous ont juste envoyé des clés. Je voulais pas qu'on fasse des trucs, c'est con. Mais rien que le nom déjà, Ground Branch, est nul, tu vois. Enfin, c'est vraiment Ground Branch, c'est très compliqué à dire. Ground Branch. En plus, la branche au sol, enfin bref. Le jeu de mots est bon, mais voilà quoi. Faut des trucs beaucoup plus simplistes, hein. Les gens sont des bons. Ah merde, t'as pas spawn au bon endroit. Si, moi je suis au bon endroit. Toi non. Mais j'ai pas spawn au bon endroit. C'est pas grave. On va se retrouver. Let's go, in-game. Alright. Je push outside. Tu fasses le tour du coup. Ouais, j'ai fait. Police! Get down on your knees! Police! Hands up! Police! Hands up!
gaffe, fais gaffe. Il y a une lumière là, fais gaffe. Et il arrive. Guns down. Ah, deuxième. Police, get down. Police, heads up. Ok, nice. On est bon pour le moment. Je vais récupérer les armes, fais gaffe en bas que ça me bouge pas. Vas-y. Et je vais éclairer ce truc de merde là. Ok, c'est un escalier. Ok, deux armes récupérées, deux. Je ferme la porte. Jumping. Je descends. Attends. Tranquille, je vais essayer de faire le Blackbird à la fenêtre. Décale pas. Décale pas cette fenêtre. Je te dirai ce qui se passe. Rien. Autre fenêtre. Rien. Autre fenêtre. Ouais, deux devant moi. Je leur demande de se baisser. Ils veulent pas. Ici. 3-3, fais gaffe. Un autre plus sur le côté, par là. Et là, tu peux les avancer, deux là. Ici, deux. Je décale. Nice. Un autre à droite. Coup de balle, attends. Il décale, il est sur le ping. Nice. Ok, prends ton temps pour reload et fais gaffe à ce que ça bouge pas derrière. Derrière, Mary. Tu vas sauver la vie en te mettant devant le mec. Support forever. Tranquille. Je reload. J'ai 50 HP, mais tu m'as sauvé la vie de ouf. Hein. Ah bah, faudrait que je me mette tout de suite devant. Du coup, j'ai pu re-switcher d'armes. Bon, je reload. Un peu plus de luminosité, SVP. Je suis à toi. Pas deux secondes. Non. Est-ce que c'est un peu mieux? C'est un peu mieux, non, pour vous? Ok, nice. L'arme à tes pieds? Ok, j'ai pas d'infos par là. Je regarde par les fenêtres encore. Tranquille, on fait du free kill. Faut bien prendre les infos. J'ai rien. Fais gaffe derrière toi. Hein. Là, le seul truc que tu dois couvrir, c'est derrière, en final. Ici, info. Police, guns down. Il est là, je sais pas ce qu'il fait. En dessous du ping. Police, guns down. Il veut pas se rendre, tu peux le tuer. Sur le ping. J'ai pas de visu. Police, get down. J'ai pas de visu. Mon perso doit être petit, je pense. Viens, okay. Descend. On va descendre, ouais. Je descends, personne contact. Fais gaffe en descendant, descends pas trop derrière moi parce que ça peut me pousser contact et ça va te défoncer. Contact juste à droite, un mec. Contact juste à gauche, un mec. À droite peut-être aussi. Okay, il s'est rendu lui. Vas-y, il s'est rendu lui. Attention, c'est un peu compliqué. Tout au fond il y a un mec. Si tu ouvres 90 gauche, il y a un mec tout au fond. Pas de la pièce. Là-bas, sur ping, légèrement à gauche de mon ping. Au fond, dans le couloir. Au fond à gauche. Reste comme ça, contrôle-le à droite. C'est bien. Ok, j'arrive. Nice. Il s'était pas... Ok. Non, c'est bon, j'ai de la chance, j'y ai pensé. J'ai ramassé son arme à lui, je le menote. Ok, je te couvre. Derrière toi, non? Fais gaffe. Je vais passer devant toi, fais gaffe. Vas-y. Contact à droite par là où on vient, rien. Les portes sont fermées.
je pense que c'est bon. Donc je vais aller voir au fond, c'est un peu compliqué de travailler là. Contact à gauche, contact à gauche. Je vais m'en occuper. Police, hands in the air. Il est sur moi, contact, contact, contact sur moi. Devant moi, devant moi. Voilà. Vas-y, vas-y. Nice. Nice, le contournement, c'était propre. Ok, salle clear ici. Celle que tu viens de... Je récupère son arme. Vas-y. Fais gaffe derrière toi quand même. Ok, donc là c'est juste un petit renfoncement de merde. Et ça ouvre sur des escaliers ici. Alors les escaliers, on peut les travailler. Je vais mettre la tête dessus. Je peux balancer une nade au-dessus. Non, non, je te le dirai, je te demande. Je te la colle la nade, ok? Ok, c'est les morts de tout à l'heure qui sont là. Je ne monte pas, on est bon. Je travaille tout seul. Beaucoup d'armes à récupérer, mais c'est un peu de la merde ici de travailler là. J'ai un contact sur moi. Tu peux monter. Et il est sur le ping, petite ligne, fais gaffe. Petite ligne. Ne bouge pas. Des pièges à chaque porte. Celle-ci. Et celle-ci, piège. Ah, c'est de la merde ici. Hein. Je vais enlever le piège, c'est compliqué. Prends la ligne. Attends, attends, attends. Piège enlevé. Piège enlevé. Arme récupérée. J'ouvre. Police, on your knees. Police, get down. C'est un peu compliqué là, fais gaffe derrière, occupe-toi de toi tout seul. Piège sur la droite de la porte. Ici sur ping, piège. Ok. Le mec est peut-être contact à droite là. Je sais pas en fait. Sa gueule à gauche. Police, get down. Sur ping, sur ping. Non c'est bon. Police, guns down. Stopping. Police, on your knees. Nice. Même endroit, je crois légèrement à droite. Derrière toi. Dans mon bag. Ne bouge pas, ne bouge pas. Ok. Regarde derrière toi. Avance un peu dans cette pièce. Ça va pousser devant. Hein. C'est dur à travailler ici. Hein. Il y a des pièges partout. Ah non, pas grave. Tu es content que les stairs? Ah faut s'assurer. Derrière toi, derrière toi! Je passe devant toi. Il est mort, il est mort, ouais. Il est mort. Où est-ce qu'il arrivait? Il y a un couloir à gauche. Là ça arrive je crois, devant moi, en face de moi il y a du monde. Négatif, salle rose vienne. Ok, on est à l'extérieur. C'est dur, il y a vraiment beaucoup de fermetures. Vas-y, reviens, on va prendre les escaliers. Ah, j'essaie de tout clear, voilà, au moins un étage quoi. J'arrive. Ok. J'ai cru voir un Intel, attends. Il n'y a pas d'Intel ici. Si, si, j'ai cru voir un truc. C'est quoi le truc au sol? Eh non. Ah bah oui. Il y avait une bombe ici, putain. J'ai dit, il y en a à toutes les portes. Et bouge pas, hein. Je suis dégoûté. On la voyait pas, c'est débile. Putain, c'est con, la progression était bonne. Il en restait combien? 27.
mortel, j'ai vu tout à l'heure. Ouais, mais tu pouvais le ramasser. Je suis presque sûr que c'est un ordinateur. Je sais pas où il est, mais... Parce que dans la mission, il n'y a pas d'intel à ramasser. Ah bon? Ah d'accord. Ok, autant pour moi. Y'a un mec qui arrive. Oui, y'a ça. Bizarre. Ah mais t'es mort? Ah oui, je suis mort. Oui. Ah, je comprenais pas. Ok. Ah merde, bah ouais, me fait chier. Bye, gulu gulu na bye. Police, hands in the air. Le bâtard, il a tué son pote. Police, hands up. All friendlies have been neutralized. Dommage, dommage. Ah, elle est propre cette mission, hein. Ouais, elle est bien, elle est bien. Elle ah, elle est vraiment bien. Ça me donne grave envie de la finir, la poulet. Ça me donne vraiment, vraiment grave envie de la finir. Ah, bah moi, je suis depuis 50 ans à peu près. Ok, demain. Demain, quelle heure? Demain, samedi? Ouais. Demain, c'est pas sûr que je live, donc je peux pas te donner d'heure. Non, vas-y, demain, on le termine. Non, mais je te dis, c'est pas sûr que je live. Demain, on le termine. Ok. Demain, on le termine. C'est pas sûr, genre, c'est quoi la probabilité que tu live et que tu live pas? 50-50. Ah ouais. Donc je peux comme je peux pas. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, ouais, ouais. Merci, quoi. Merci pour le con. Bah de rien, Non mais c'était cool en tout cas. Et le jeu me fait grave kiffer et t'avais raison et j'ai été con, je l'ai jugé trop vite. Non non mais il est cool, il est cool. Bah le simple fait que ce soit comme Grand Branch, à savoir ce côté un peu tactique, difficile, difficile, tactique, coop, le trio gagnant quoi. Le trio gagnant. Ouais, ouais. Comme Grand Branch. Moi c'est Grand Branch que je vais là je vais le tester là vite fait voir s'il tourne voir s'il tourne bien. S'ils ont fait des améliorations techniques. Ouais, ouais. Bah le problème c'était toujours pareil de Grand Branch hein. Le jeu est pas trop mal, mais dès que tu load tous les bots, nom de Dieu. Si tu mettais load les bots en max là, c'est pareil. J'avais un bug où je pouvais pas faire de la chasse au terreau solo. Genre au bout d'un moment, ça me disait non, c'est pas. Enfin, il y avait un bail chelou. Ah ouais. Attends, mais je l'ai. Ouais. Je sais même pas si je l'ai laissé installer Grand Branch moi. Il est toujours là. Road to version 10.32, il parle. Et je sais pas de quoi il parle. Développement, tu really were not gonna let you enjoy this preview, nanana. Mais c'est vrai que... Et puis, en revanche, là où les mecs... En fait, ce qui est marrant, c'est que... C'est vrai que tu te dirais, putain, ce serait vraiment bien s'ils pouvaient s'allier tous les deux. Parce que Grand Branch est vraiment dans le tactical realism, quoi. Ils sont dans les... Le genre de truc où tu peux placer sur ton arme la distance à laquelle tu mettais l'holographique, tu te souviens? Il s'en fout, il est parti. Ah, il était muté. Tu es muté ? Ah merde. Ouais. Oui, je m'en rappelle, c'était trop bien. Non, mais moi, la customisation de Grand Branch. La customisation, la customisation est bien mieux. La customisation pour mettre tes petites poches et tout machin. S'ils prennent la customisation plus le lobby. Plus les touches. Tu sais, les lobbies et tout. Le fait d'avoir son petit vestiaire et tout. Vraiment, la customisation des armes de Grand Branch est absolument exceptionnelle, quoi. Et beaucoup plus réaliste pour le coup. Alors que là, c'est réalisme, mais bon, c'est les mécaniques qui sont un peu plus réalistes. Quoi. Et je crois qu'on pouvait passer à la troisième personne sur Grand Branch. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Comment? Je me rappelle plus du tout. Faudrait que je regarde les. Mais le problème de Grand Branch, c'était qu'il y avait pas assez de missions à l'intérieur des bâtiments, je trouvais. Genre comme ça, quoi. Où tu avances, tu travailles un peu. Il y a trop de missions extérieures, donc c'était plus force spéciale que. Et on pouvait baisser l'arme. Oh putain, je me rappelle plus du tout. On pouvait lever l'arme ou la baisser. Ah oui, avec la molette. Ouais, je me rappelle plus là. J'essaie de trouver les. Mm-hmm. Ok. Bon, je te laisse, poulet. Je te fais des bisous. Yes, à demain. Des bisous. Enfin, j'espère que tu live et on finira ça du coup. Bisous, ça bisous. Marche. Bisous, ciao, bisous. Ciao. Alright, motherfuckers. Vous l'avez compris. Comme je vous l'avais dit, je ne pourrais pas rester très longtemps. Ça me fait super plaisir parce que vraiment, Grand Branch. C'était un jeu sur lequel qui a été une super découverte pour nous. Et ben là, c'est pareil, Zero Hour. Vraiment, vraiment, vraiment super découverte.
Voilà, donc il y en aura d'autres à mon avis, parce que j'ai bien envie de terminer au moins la partie coop avec Mary. Et c'était vraiment, vraiment sympathique. Bon, désolé, comme je disais, je devais partir un petit peu plus tôt pour ce soir. Beaucoup de projets sur lesquels on travaille sur le campus de la Solitaire Academy. N'oubliez pas de faire point YT. Allez vous abonner à la chaîne YouTube. Allez sur Facebook, Twitter, Discord, tous les mots que je viens de citer. Si vous n'êtes pas dessus, faites-le. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage aide le campus à aller to the fucking top. Du coup, je disparais de vos écrans et j'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière, qui ont été absolument énormes, monstrueux. Les étudiants, les membres du Salty Fan Club, mais surtout les personnes qui ont profité du September. Et pour payer des droits de scolarité à d'autres personnes, c'est absolument génial. Merci beaucoup, Avora Gamer, Baizu et tous les sub-gifters, vous êtes des putains de monstres. Et d'ici à demain, une fois de plus, je vous le dis, je vous le répète, n'oubliez pas que certes, nous sommes salty, oui, mais pas que.